Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Thrones. Nous sommes très heureux de vous retrouver enfin. Donc, nous sommes sur le stream à nouveau pour une nouvelle aventure que le stream n'a pas encore connue, mais que les habitués de Game of Thrones connaissent déjà. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas si vous avez jamais vu. Vous allez voir, c'est comme notre ami Game of Thrones Magic, avec des petites nuances, mais on va dire 3 personnages sur 4 sont encore ensemble. Alors, j'ai avec moi mon équipe de cœur, donc avec Daz. Bonjour Daz, ça va ? Salut Fiber, salut à tous. Voilà. Ça va très très bien. Salut Daz, j'ai avec moi Lydia. Bonjour Lydia. Salut Fibre. J'ai avec moi Dérive. Salut Dérive. Bonsoir, salut. Voilà. Et j'ai avec moi Lame qui a pris un maquillage tactique. Comment ça va Lame ? Bien sûr, comme d'habitude, pour ne pas être vu, regarde, tu me vois. Et là ? Je sais pas. Il est disponible. Voilà, je suis là. D'accord, parfait. Ça marche. Merci. Je vous présente ces personnages dans quelques secondes, mais je veux aussi vous parler de l'équipe. Derrière Game of Thrones, il y a notre président, notre roi, Monsieur Trunks. Il y a Sylvain qui est un peu le is no good derrière Trunks, qui ourdit des plans. Ah, et, oui, maître. Et voilà. Je te jure. Et c'est lui qui nous fait les petits tweets, les réseaux sociaux. Donc, je vais dire du bien de Sylvain. Je t'aime beaucoup, Sylvain. Et nous Fibre avons toujours aussi doué pour exprimer ses sentiments quand même. Voilà. Oui. Nous avons également à la Real un petit nouveau. Mais beaucoup d'années de métier, je ne peux pas vous dire beaucoup d'années de métier, Shazzy. Et nous avons enfin donc, une des personnes secrètement sur ce chat où il y a une pluie littéralement de cœur sur ce chat. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Numéro 6 qui est en train de me donner tous les subs qui sont là pour que vous puissiez devenir des immortels, c'est-à-dire des gens qui vont être des personnages dans l'univers de Game of Thrones. Immortels. Voilà. C'est pas des gens qui disent que la Covid, c'est une femme, les immortels ? Ouais, oui, c'est ça, voilà, exactement. Et sinon, ce merveilleux layout Twitch a été fait par un certain Fabio, à qui je fais des bisous. Alors, qu'est-ce que c'est Game of Thrones 1979 ? Game of Thrones 1979, on a Dérive qui joue un diplomate, donc imaginez Atlan avec une cravate. On a Daz qui joue un voleur, donc imaginez Clodo Rhodium, mais qui défonce des portes et qui vole des choses. On a Lydia qui joue Sybille Cancel, une archéologue, donc encore une fois, la voix de la raison, mais cette fois-ci avec un diplôme. Et enfin... La seule personne qui n'est pas dans son personnage et qui d'ailleurs joue très bien un autre personnage n'est pas réussi à retrouver le Nicolas festif, c'est Lame qui joue Hubert. C'est un commando, voilà, plus précisément. Donc on a 4 personnes. Ça c'est un peu l'idée. Je vais vous résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. L'action se passe en 1979 et ces 4 personnages, donc Dérive joue Philippe Lannicroche, un diplomate. Daz joue un ex-cambrioleur spécialiste de sa sécurité qui s'appelle Patrick Pintard. Lydia joue Sybille Cancel, une archéologue. Et Lame joue Hubert Bachelot, peut-être un petit lien de parenté avec une Bachelot que vous connaissez, qui joue un commando. En 79, je pense que ma petite nièce Roselyne n'a pas trop d'ambition dans la vie. Voilà, donc peut-être. Et ce commando de 4 personnes est à la recherche d'un artefact. Alors, 79 a cette particularité
qui se passe dans le monde réel de 1979. C'est qu'à un moment, quand je dis des choses, vous pouvez les wikipédier et vérifier où en sont les personnages. Vous pouvez même aller sur Google Maps pour savoir où ils sont. Mais ils sont à la recherche de quelque chose, d'un trésor perdu très précieux qui s'appelle l'héritage du sceau du royaume. C'est un sceau en jade qui appartenait aux empereurs chinois. Et à partir du moment où on l'a, la légende raconte qu'on peut accéder au trône de l'Empire de Chine en personne. Voilà. Et donc, Jacques Chirac, qui est maire de Paris à l'époque, qui veut créer le musée Branly, envoie ces quatre personnages pour chercher le sceau de l'empereur, le sceau de l'héritage du royaume. Et depuis, alors il y a eu 5 ou 6 épisodes, mais en 5 ou 6 épisodes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés à Rome, ils sont allés à Los Angeles, ils sont allés en Chine, à Pékin, à Luoyang, à Xi'an, je ne sais plus quelle autre ville, et ils viennent de passer la frontière du Tibet, parce qu'après avoir mené des enquêtes, opéré des cambriolages, fait des entourloupes de tous les côtés, ils sont quasiment sûrs que le sceau de l'héritage du royaume se trouve dans une ville forteresse qui s'appelle Tsaparang, perdue dans les montagnes de l'Himalaya. Ils sont arrivés donc à Nagku, N-A-G-Q-U, si vous voulez faire du Google Maps. Vraiment, en 1979, c'est le terminus de la guerre de chemin de fer. Ils sont perdus au milieu de nulle part au Tibet. Ils ont réussi, avec tout l'argent qu'ils ont, parce qu'ils ont une grosse mallette pleine de billets, à fonder une école, à créer une bibliothèque Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est vrai. Et contre cette bibliothèque, ils ont obtenu une Bentley exactement TI de 1970 qui vaut pas moins de 700 000 francs. C'est dire la bonne affaire qu'ils ont fait, parce qu'aujourd'hui on parle en francs dans ce jeu. Et ils ont mis dans leur Bentley des jerrycans d'essence, des petits manteaux de fourrure, des cordes, tout ce qu'il faut pour être en expédition. Et ils vont traverser d'est en ouest le Tibet pour arriver à Tsaparang et trouver enfin peut-être l'héritage du sceau du royaume. Mais juste avant de commencer, à la place du générique, nous avons, vous l'adorez, Sam Persimoni, qui va vous faire un petit récap du dernier épisode, et on peut y aller. Tu peux lancer le... Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne Fibre, et voici le journal TV du 28 mai 1979. Les tensions entre la Chine et la France sont au plus haut, après qu'une délégation française spéciale, nos joueurs, menée par Philippe Lannicroche de Rive, ont causé bien des tracas dans l'Empire du Milieu. Ils ont pactisé avec la mafia locale pour ouvrir des restaurants chinois à Paris. Mais pas que. Ils ont perturbé un tournoi de ping-pong, créé des émeutes à Luoyang, ils ont créé une fausse société d'import-export de cochons appelée la CECAF, ils ont kidnappé un brillant sismologue. Et si ce n'est que ça, on raconte aussi qu'ils auraient tué des soldats chinois à bord d'un train avant de disparaître au Tibet, où ils auraient fondé une école et une bibliothèque en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing. Mais que font-ils au Tibet ? Et surtout, est-ce que les forces chinoises vont-elles les attraper ? Nous serons dans ce nouvel épisode de Game of Thrones 1979. Ah. Nous serons dans ce... Et donc, les voici nos quatre héros qui sont dans une magnifique Bentley sur les petites routes de terre du Tibet. Et les voilà partant. Donc, à droite, il y a des marais. Et à gauche, il y a les immenses montagnes de l'Himalaya. Parmi les montagnes enneigées, il y a l'Annapurna, l'Everest. Et les jours, les nuits passent, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps et de routes. Mais il se passe quelque chose de préoccupant. C'est-à-dire que, alors que vous êtes en train de... Alors, c'est toujours Sibylle qui conduit, c'est ça ? Mm-hmm. D'accord. Ah oui, je crois. Alors que vous êtes en train de conduire, derrière vous, au loin, à l'horizon, vous voyez une Jeep. Et l'œil de militaire de Hubert, voir que c'est une Jeep militaire pilotée par deux militaires. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Je précise que sur la gauche et sur la droite, il y a des lacs magnifiques, des lacs tibétains. Ah oui. C'est très pratique pour faire couler des corps et les cacher, ça. Si vous voulez. On peut s'arrêter et faire comme si on était en fait des touristes qui allaient pique-niquer au bord d'un lac tibétain. Dans une Bentley. Oui, bah justement, bah c'est méga touriste une Bentley. On peut les esquiver, on peut pas les esquiver, ces militaires. Mais là, pour l'instant, disons que vous êtes sur une route, il y a pas d'embranchement, ils sont derrière vous et ils s'approchent. Ils s'approchent. Bah, vous pouvez me dire si vous voulez les semer. Soit on va plus vite, soit on les confronte, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Hubert ? Mais pourquoi les confronter ? Je pense qu'on ne pourra pas les semer parce qu'on a une voiture, une Bentley, c'est très lourd, on est quatre dedans. Mmh. Donc j'ai du mal à imaginer effectivement. On est grillé de toute façon. On est grillé parce qu'encore une fois une Bentley au Tibet. Je pense qu'ils se disent où c'est la dame.
Elle est bien connue, la dame du village, hein, de la directrice d'école. Bah oui, parce qu'on peut dire bah que alors... c'est elle qui nous l'a prêtée. Hein. Bah on peut dire qu'on fait, oui, on fait une course pour elle, à la limite. Mm. Je vous rappelle aussi qu'on vient de tuer des militaires chinois à bord du train qui nous amenaient au Tibet. Donc l'alerte a certainement été donnée. Donc ils sont sur leur garde. C'est ce que je voulais vous dire. Donc... Attends, Dérive est en train de parler, mais on t'entend pas. Dérive est mute. Ouais. Ah merde, pardon, depuis tout à l'heure, j'ai mis pas mute, excusez-moi. Oui. Oh là là là. Je disais, pardon, c'est des militaires chinois ou tibétains ? Alors, a priori, grande question, le Tibet est propriété de la Chine depuis quelque temps, c'est probablement donc c'est des militaires chinois. Ah, moi je dis, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, on garde l'allure, et s'ils nous dépassent, on fait un coucou très gentleman, comme ça. Ok, bon bah... Alors, il garde l'allure, la Jeep se rapproche, elle pousse bien, et d'ailleurs, il y a un petit nuage de poussière derrière elle. Et vous voyez maintenant qu'il y a deux, c'est effectivement un Chinois qui conduit, un militaire chinois qui est à la place du mort, ils sont tous les deux armés de fusils d'assaut, et le Chinois dit en chinois bien distinctif, chinois que Sibyl et Lanny Croche parlent tout à fait, et ils disent « Arrêtez-vous ah. ». Ah ben là, ça change tout. Ils sont où sur le bord de la route ? Ils sont derrière vous pour l'instant. Ah, ils sont derrière nous ? Oui. On peut pas les mettre sur le côté, tu sais, comme ça, et les pousser dans le ravin. C'est une stratégie. Non, mais attends, avant de les tuer, on va peut-être pas, tu vois. Est-ce qu'on leur parlerait pas déjà ? Est-ce qu'ils sont armés ? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont armés ? Ils ont tous les deux des fusils d'assaut. C'est des militaires quand même. Ah ouais. Ils sont armés, c'est chaud là. Mais nous, on a un Uber quand même, je vous rappelle. Oui, on a Uber, c'est vrai. Mais ils sont armés, ils nous visent ou pas ? Bah, ils nous arrêtent en tout cas. Donc, pour l'instant, ils vous ont dit de vous arrêter. Bah, vous arrêtez-vous. Et bah, je vous invite aussi à aller sur le Discord où on fait les lancers de dés, ça pourrait toujours être utile. Ah oui ? Ah oui, mince, voilà. J'ai complètement zoomé. qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi, Sibyl, qui tient le volant. Est-ce que vous allez vous arrêter ? Arrêtons-nous. Attends, on a une belle chaise. Arrêtez-vous, moi je vous rappelle que je suis sous le siège de la voiture, j'y reste. Hein. Ok. La belle fesse a de la puissance quand même, c'est de la bonne voiture. Oui, c'est vrai que techniquement on peut les semer, mais par contre, s'ils sortent un hélicoptère, on est mort. Bah, oh, ça va, c'est des Chinois, ils n'ont pas d'hélicoptère à cette époque. Je viens d'échapper à un hélicoptère précisément. Oui, mais voilà. Il y en a qu'un dans la vraie Chine. Alors, vous arrêtez. Vous quoi. Non, mais arrêtons-nous et essayons de. Voilà. Alors, les touristes. Je reste sous le siège de la voiture. Je ne montre pas. Sibyl ralentit. Même s'arrête sur le côté gauche de la route, la Jeep s'arrête sur le côté droit de la route, ils descendent tous les deux de la Jeep, l'un d'entre eux a un papier avec des photos de vous, il regarde les photos, il regarde et il dit très bien, maintenant sortez de la voiture. Que faites-vous ? Bon, voilà. Hubert, il est temps d'employer la stratégie. Pas tout de suite. Vous allez gagner du temps. Je vais glisser par l'autre côté en rampant. Attends, il a parlé en chinois du coup là. Oui. On va faire les gens qui comprennent pas le chinois voilà, déjà. Exactement, on fait ça. Alors, d'accord, faites ça. Il vous mime, il dit dehors. Que faites-vous ? Alors moi, j'ouvre mon sac à dos et je sors quand même un Toblerone. Parce que ça peut dégénérer. Il peut mal le prendre. Hein, alors, il commence à élever la voix. Il vous dit en chinois, maintenant vous sortez, vous arrêtez de jouer aux bêtes, je sais que vous parlez chinois, je sais qui vous êtes, Sibyl Cancel, je sais que vous êtes Philippe Lanicroche, sortez. On sort, mais tout doucement. Et moi, j'étais derrière toi, Hubert. Hein. Moi, je suis sous le siège, entre le siège avant et le siège arrière. Ils m'ont pas vu normalement. Ok, bon, bah alors on sort, mais avec les mains levées. Quand même, d'accord. On monte pas de blanche. En tout cas, et toi aussi, Patrick Pintard ? Alors moi, j'ai les mains levées, mais du coup, dans ma main, il y a un Toblerone taille XL, comme ça. D'accord. Vous sortez en vous levant. Ils vous font... Alors, il prend Philippe Lanicroche, il te fait retourner contre la voiture, il te fait baisser les mains et il te passe des menottes. Ah. Rien ne se passe ? Vous n'agissez toujours pas ? Moi, j'attends, hein. Bah, personne peut. Doucement sur la voiture attention, en rampant. Je leur dis attention, là je parle chinois. Je leur dis attention, vous en prenez un diplomate. Oui, nous avons des ordres pour vous. Alors maintenant que c'est fait, il s'occupe de Sibyl Cancel, il te fait baisser. Quoi ? Non ? Attends, j'ai. Est-ce que je peux. Il me reste des spécialités, non ? J'ai pas tout utilisé. Oui.
Il te reste deux spécialités. Ouais, c'est vrai, mais il me reste trois. C'est quoi la spécialité? Alors, c'est une règle du jeu, je précise pour les joueurs, pendant que vous réfléchissez, pour les spectateurs. C'est-à-dire que dans toute la campagne, les personnages qui n'ont pas de compétences particulières, ils ont le droit de déclarer à tout moment « Moi, je suis spécialiste de ça. Moi, je suis un grand médecin, je peux soigner n'importe qui. » Alors, ça a déjà été utilisé. Par exemple, Dérive est grand maître aux échecs. Patrick Pintard, Daz, est un grand maître du ping-pong. Et on a les meilleures spécialités. Et également, quelqu'un qui fait des faux, de la contrefaçon. Donc, Sybil, tu vas utiliser ton deuxième pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être un art martial inspiré de techniques de points de pression chinois. Et en fait, du coup, je peux faire ce que je veux. Je peux l'endormir, je peux le tuer, je peux... je peux le faire sa marionnette. Il marche trois pas et il a une crise cardiaque, par exemple, tu vois. Donc, voilà. Maîtrise du kung c'est fu, on va dire. C'est le Death Note de Jutsu, ton arme. Sybil, le survivant. Le haut couteau de Sybil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire des points stratégiques pour les endormir, mais c'est des tout petits points. C'est leur tac, tac, tac. Ah oui, trop stylé. Alors, il faut pas, tu peux pas, cette technique de la spécialité ne peut pas te permettre de faire des tours de magie. On va dire que tu es... Est-ce que ça te va le kung-fu de la menthe religieuse, le Tanglan Kwan? Ouais, est-ce que c'est... Bah, parfait. Donc, tu es spécialiste du kung-fu de la menthe religieuse. C'est-à-dire que tu peux abattre quelqu'un très rapidement sans forcément le tuer. Voilà. Alors, on va quand même... Tu n'es pas surhumaine non plus. On va dire le premier, tu vas le prendre par surprise. Donc, tu le mets à terre. L'autre, par contre, il se retourne. Et c'est un militaire entraîné. Donc, il va falloir te battre contre lui. Tu vas lancer les dés. Tu vas lancer les dés. On va rajouter 5. Non, mais attends. On va rajouter 5 et il faut que tu fasses au moins 12. C'est-à-dire qu'il faut que tu lances les dés, tu fasses au moins 7. Vas-y. Ok. Alors, je rajoute 5, c'est ça? Non, je n'ai pas la peine de rajouter 5. Ah, d'accord. Fais au moins 7. Voilà. Attends, c'est pas un dés 100 là? C'est quoi qu'il faut lancer? Un dés 20. Excusez-moi. Un dés 20. Hop. Alors, ça fait 11. Ça va. 11, très bien. Et Sybil assomme le deuxième militaire chinois. Vous avez eu deux militaires chinois à terre sans que Hubert n'ait rien à faire. Bah, vous avez un fusil d'assaut. Dis donc, ma petite, vous aviez caché que vous aviez des talents d'arts martiaux. Eh bien, écoute, je suis pleine de ressources encore, pleine de mystères. Incroyable. Bah, moi, je rampais encore sous la voiture. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, et vous avez... Alors, je m'empare d'un des fusils d'assaut qui traîne. Pintard prend un fuite. Vas-y. Ah bon, on prend les deux. Qui a le deuxième fusil, l'autre au cas où? Je vais en prendre un aussi. Hop, t'en avais déjà, non? On propose d'attacher les militaires. Exactement. Sur le bord de la route, mais loin l'un de l'autre. Voilà. De chaque côté de la route, en fait. Ouais, de chaque côté de la route à 150. Et de mettre la Jeep, en marche utile, dans un lac. Ah, la Jeep pourrait nous être utile, en fait. C'est ça que je me pose comme question. Ah! Tu veux qu'on prenne la Jeep et qu'on suive la Bentley? Deux voitures, on a toujours des chances de casse, on est dans l'Himalaya. Ce sont des Jeeps, ce sont des voitures très robustes que je sais réparer en plus parce que je connais. Je trouvais ça pas bête qu'on se mette deux dans chaque voiture. Ouais, mais c'est une Jeep militaire, donc on va être grillé. Ouais. Ah bah, elle va sûrement être recherchée, la Jeep. Là. Bah, je te rappelle qu'une Bentley dans l'Himalaya... J'avoue que les deux bagnoles... Quoi qu'il arrive, on est recherché. Hein. Alors, Jeep ou Bentley? Les deux. Bah, les deux. Les deux. Vous allez conduire les deux? Non, mais vous êtes, leur voiture, ils vont la rechercher. Vous êtes sûr qu'on veut prendre ça? En fait, la Bentley, elle est grillée parce que là, ils sont venus nous intercepter avec une Bentley. Donc, ils ont déjà signalé. Ah, mais là, la Jeep militaire, tu vois. Ah oui, non, mais en plus, la Jeep, elle a la radio militaire. Oui. Du coup, on peut écouter même leur conversation. En fait, ça me rend de toute façon, on est grillé. Il y a des barrages ou. On est officiellement grillé dans le pays, là. Bon, alors, on prend. Mais qui sait conduire? À moi? Oh bah, ah bah oui, Hubert. C'est une spécialité. Donc je monte dans la Jeep et on suit la Bentley. Donc on va dire que avec Philippe, on se met dans la Jeep. Ça vous fera du bien d'avoir une voiture un peu normale, hein, et pas un siège en cuir. Et Sybil et Patrick dans la Bentley. Allez. Okay. Alors pour la postérité, vas-y. Je veux bien que on prenne aussi des habits, des uniformes des soldats. D'accord. Vous prenez donc vous déshabillez, vous laissez les soldats à poil dans le Tibet, ouais. C'est ça? Et on met un message. Il fait froid. On leur met un message à côté. Soldats chinois, allez-y, vengez-vous. Un truc comme ça pour ceux qui passent. Soldats tibétains. Non. Ce qu'on peut faire, c'est on leur donne, on échange de vêtements. On va pas les laisser mourir non plus. On tue pas gratuitement, mais on prend leur uniforme. Ça pourrait nous servir s'il y a un contrôle et qu'ils nous voient arriver jusqu'au dernier moment, ils vont voir une Jeep avec deux soldats chinois à son bord. Quoi. J'ai envie de mettre tous les atouts de mon côté. Oui, et puis Philippe Lannicroche en soldat chinois, c'est sûr que ça le fait. Quoi.
Alors, non, mais de loin, ils vont voir. Ils vont voir. Et du coup, par contre, donc là, ils ont toutes nos photos. Ils ont tous nos photos. Est-ce qu'il faudrait quand même que physiquement, on se change un petit peu, là, quand même? Est-ce qu'il n'y a pas l'un de vous qui veut pas se travestir un petit peu, là, par exemple? Si, c'est possible. Bah, on n'a rien, quoi. C'est ça, le truc. C'est bah oui, on va travestir avec quoi? Bah, je sais pas, on va trouver. Hein. Moi, j'ai pas un reste de perruque, là, de trucs que j'avais avant, ou je sais pas, quoi. Si tu penses qu'on trouve un magasin de perruques au prochain village au Tibet, je suis pas convaincu. Que... Un foulard, c'est pas grave, on te mettra un foulard. Non, mais au pire, on ira couper des poils de yak et on sera des moustaches et des trucs avec. Non, de toute façon, ils cherchent 4 personnes dans une Bentley. Déjà, là, on en a plus que 2 dans la Bentley. Oui. En tout cas, moi, je mets un défi. Et je vous rappelle, qu'on a leur radio. Donc, vous pouvez écouter le chat radio des militaires pour savoir ce qui se dit et s'il y a des checkpoints, des barrages et ce genre de choses. Si on peut écouter, on va tactiquement, c'est mieux de mettre la Jeep en avant. Ouais, ouvreuse. En ouvreuse, effectivement. Et tranquillement, on va faire suivre avec la Bentley. Alors, allez, Philippe, il faut que vous écoutiez le Tokiwoki. Philippe et moi, on s'habille avec les uniformes chinois, en tout cas. Alors. Comme vous le savez, dans Game of Thrones, les subs qui donnent de l'argent à le stream, eh bien, ils sont largement récompensés. Et donc, pour la postérité, on va remercier les 2 soldats chinois qui vont probablement mourir dans le froid ou égorgés par des Tibétains, Kikaze et Akeboshi. Voilà. Oh. On pense à eux. Mais peut-être reviendront-ils pour se venger. En tout cas, vous repartez avec la Jeep et la Bentley. Et vous, un peu plus tard... Appuyez sur F hein, pour les soldats. Voilà, c'est ça. Et un peu plus tard, vous êtes sur les chemins du Tibet. La nuit tombe et vous décidez de faire un petit campement. Il n'y a personne. Vous vous sentez tranquille. Vous mettez Hubert, qui sait tout faire, fait un feu de camp. Le feu, évidemment. Les flammes montent haut dans les étoiles et il n'y a personne autour de vous. C'est un endroit un peu magique, un peu mystique. Vous êtes content d'avoir vécu cette aventure assez extraordinaire. Mais cependant, vous voyez à une vingtaine de mètres dans l'herbe tibétaine quelque chose qui bouge et qui fait à peu près cette taille. Est-ce que vous voyez mes mains ou pas? Oui, oui. Ouais. Voilà, ça fait à peu près cette taille sur l'herbe, voilà. Donc ça bouge. C'est nul. C'est nul. J'en sais rien. C'est ça. C'est une tortue, c'est quoi? Moi, je braque la mitrailleuse, le fusil d'assaut qu'on a pris, et j'attends. D'accord. Alors, ça fait 8. Ah. Puis. Est-ce que c'est pas une mine? Oula. Une mine qui bouge. Mais non, ça bouge. Une mine qui bouge. Une mine sur pattes. Alors, ça bouge tout doucement. Hein. Mais on n'a pas une poche. Ouais, une lampe torche. Oui, mais alors, même si vous braquez la lampe torche, qui éclaire pas extrêmement bien, vous voyez, on va dire, ça ressemble, effectivement, une tortue, c'est pas mal, mais ça a des poils. Ce serait pas un pangolin? Ce serait pas, ouais. une tortue à poils. Un pangolin, peut-être, qui sait. Mais ça peut être une marmotte aussi, tout simplement. Bah, on attend, en fait. On attend que la bête arrive. Donc, est-ce que tu veux l'attirer ou la faire partir? Oui, on l'attire. Il est la manger, là. Passez-moi un truc de Toblerone, là. On se met au bout de Toblerone, ouais. On titille le truc, là. Vous envoyez un petit Toblerone. La créature approche et c'est un adorable Pika. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Pika. Il est chou ou pas? Ça ressemble à un Pikachu, en fait. Non, mais c'est vrai qu'il est peut-être chou. Alors, le Pikachu, c'est peut-être tiré de cet objet. C'est un animal tibétain qui ressemble à entre la souris et la marmotte, qui est vraiment adorable et qui s'approche. Et votre petit cœur de militaire qui vient de tuer 2 personnes fond devant cette adorable petite bête. Pas du tout. Hein. Enfin, tuer 2 personnes. Le seul truc qu'ils font ici, c'est le Toblerone. Hein. Pour le reste... Bon, on l'emporte avec nous, ça peut être utile, mais... Mais non, alors, mais on va pas se mettre à prélever des animaux sauvages, enfin. Capturer le Pika, c'est compliqué, quand même. Est-ce que vous voulez, vous voulez capturer le Pika ou pas? Bah, bien sûr qu'on le capture. Mais vous voulez manger? Ils sont à foutre avec ça. Vous savez, des fois, les bêtes sauvages, les gens de ces contrées peuvent payer très cher pour. Ça peut nous servir d'appât, ça peut beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut... On fait du braconnage en même temps que... on va laisser la bête, quand même. Non, après, ça va nous encombrer. Mais ça se mange ou pas? En plus, ça va puer dans la bagnole après. Non, mais ça va être une catastrophe. Ça se mange? Bah, peut-être on a faim, non? Je suis pas trop pour manger des animaux sauvages qu'on trouve dans les contrées. Bon, il a l'air tout à fait comestible. Vous le prenez ou pas? On le prend. Alors, Hubert, il faudrait que tu me lances les dés et que tu fasses au moins 8 pour sauter sur le Pika. Alors, évidemment, je ne trouve pas ton salon de jet de dés. Boîte à dés. Hubert s'approche sans faire un bruit, telle une panthère. Quoi?
Le Pika regarde avec des grands yeux et mange tranquillement le chocolat en espérant que le chocolat ne va pas tuer ce mammifère. C'est mignon. J'arrive pas à faire apparaître les Chanel là. J'ai mis toutes tes Chanel filles parce que ça me cassait les couilles. Et du coup ton Chanel G2D n'apparaît pas. Il s'appelle. Est-ce que quelqu'un peut lancer les dés le temps qu'il. Ouais, je peux le lancer pour lui moi. Vas-y alors. C'est un dé quoi qu'il faut faire, qu'il faut envoyer. Plus de combien. Oh là. Je sais pas pourquoi je sens. 16. Ah ben voilà, parfait. Oh, voilà, ça va. Hubert bondit et il attrape par la peau du cou le Pika. C'est à ce moment-là qu'en face de toi, tu vois un léopard des neiges. Ah merde! Non, mais c'est quoi la collaboration des animaux? C'est le Pika qui était en fait un léopard des neiges ou il y avait deux animaux? Non, il tient le Pika dans la main et le Pika était chassé par le léopard des neiges qui lui était complètement silencieux. Et là, tu vois, t'as la lumière des lampes torches et du feu qui se reflète dans ses yeux. Il va bondir, c'est une créature terrible. Que faites-vous? Terriblement mignonne aussi. Hein. Eh ben oui, une rafale de balle. Alors, rafale de balle. Attendez, vous n'allez pas tuer un léopard des neiges? Tu voulais attraper un hamster hérisson là, il y a 30 secondes. Mais parce qu'on pouvait le manger. Mais le léopard, on peut pas le manger. Bien sûr qu'on peut le manger. Tout n'est qu'une question de volonté, Sybille. Non, mais. Sybille, fais-lui une prise de jujitsu. Là. Fais-lui comme ça sur le léopard. J'ai un Toblerone dans la main. Je le jette de toutes mes forces en direction du léopard des neiges. Alors. macOS 10.6, je rappelle. Tu sais que tu te rends compte que lancer un Toblerone contre un léopard, ça va être très compliqué de l'assommer, on est d'accord. Donc, non, c'est pas pour l'assommer, c'est pour le phase un petit peu, parce qu'il va pas comprendre ce qui se passe. Pour le phase, d'accord. On va voir si tu peux le phase. Donc, lance les dés et on va voir combien tu vas faire. Il faut faire au moins 15 pour qu'il se passe un truc. Hein. Ah putain, c'est dommage, j'ai gâché mon 16 là. On rappelle les lancers de dés de la dernière. Oh, ça va. Alors là, le léopard, le Toblerone. Effectivement, le Toblerone tombe entre les. Non, tombe dans l'œil du léopard, qui ne s'attendait pas à ce type d'attaque, et il s'enfuit en couinant. Voilà. Ah, on ne pourra pas récupérer la fourrure, c'est dommage. C'est à ce moment-là que vous entendez un affreux hurlement. Non, mais on s'est arrêté où là pas que le léopard des neiges était lui-même pourchassé par un yéti. Un ours bleu du Tibet, exactement. Non. Et c'est vraiment. C'est un ours particulièrement. Alors, c'est pas un grizzly, mais c'est un gros ours bleu. Enfin, il est pas bleu, il est très noir et presque bleu. Et effectivement, il vous a entendu. Il entend le Pika hurler et le puma feulé. Et donc, il s'approche de vous en courant sur ses quatre pattes et en hurlant. Que faites-vous? On se barre, on court dans la voiture. Il faut prendre ses vêtements et faire comme si on était plus gros. Exactement. Donc, il faut se mettre en boule et se recouvrir de sang. Et on fait des grands gestes et on crie. Voilà, on tend les bras, on fait des grands gestes et on crie avec des mots genre français, genre « Va des rétros !» pour Sanas. Est-ce que tu es capable de lancer un dé, Hubert, ou pas? Mais ton channel... Attends. Alors bon, ce sera... Alors, et toi, Philippe Ladicroche, tu veux trouver leur boule recouvert de sang? Non, bien sûr que non. Non, on en impose. Je sais pas, je vois. Mais non, mais dans l'absolu, au pire, dans le pire des cas, on prend le Pika et on le jette comme ça, comme un ballon de rugby, en direction de l'ours. C'est notre dîner, le Pika. Mais non, c'est ton dîner, moi j'ai des Toblerones. D'ailleurs, je vais récupérer mon Toblerone que j'ai lâché tout à l'heure. Mais tu vas t'approcher de derrière. Attends. Non, mais on fait au pire, on lui lâche une rafale de balles dans le... On fait ça, mais... Il y a des films qui montrent que le fusil n'est pas efficace contre l'ours qui charge. Hein, oui, c'est vrai. Est-ce que Hubert veut tenter de lancer les dés ou est-ce qu'il veut laisser Sybille lancer les dés pour toi? Allez, Sybille, lance les dés pour moi. Avant de lancer les dés, Sybille... Réfléchis bien à l'animal qui va arriver derrière. Ça va être un éléphant. Donc, je fais la technique, et la technique efficace, c'est qu'effectivement, je lui fais peur en levant les bras, en faisant plus grand que je suis, ce qui marche très bien normalement. Oui, exactement. Ce qui mériterait presque un bonus de plus 5 au lancer de dés, j'ai envie de dire. Et lui dire, malheureusement, bien. on n'a fait que 13. Alors, l'ours 13. S'arrête dans sa course, se dresse sur ses deux pattes de derrière et rugit devant vous à 10 mètres. Il va probablement se remettre à 4 pattes pour avancer vers vous. La technique de l'effrayer en se mettant plus haut était judicieuse, mais elle n'a pas fonctionné. Que faites-vous désormais? Bon, On sort les deux fusils d'assaut et on lâche tout. Ouais. Kalash. Attendez, pas tout, on va tirer... Mais pas tout, parce que ça va faire du bruit. Tu n'as jamais tiré avec une calache, c'est pas grave. Tu vas essayer de tirer et de viser. Allez. Lance les dés et fais au moins 10, s'il te plaît. Blême. Allez, Fifi. Moi, je vais essayer d'activer le channel. Et, 13.
13. Et malheureusement, l'ours, effectivement, se prend une rafale de balles dans Comment la gorge. Ça, malheureusement. Et s'effondre d'un seul coup. Boum, bah, vous avez tué hein, quand même une espèce en voie de disparition. En tout cas, vous avez un adorable Pika que je vous propose d'appeler sous le nom de Loon ou Tout à fait. Choisissez. Tout à fait ou Loon. Pourquoi oh, Loon, c'est mignon, Loon. C'est le seum. Allez, Loon. Allez, Loon. Donc, Tout à fait sera l'ours bleu qui est mort. et le guépard qui a le bon goût de partir pour éviter les ouais. Comment il s'appelle ? Léopard. Léopard des neiges. On va l'appeler Tiger Jack, tiens, très bien. Et donc, est-ce que vous faites... Alors, je vous rassure, il n'y aura pas d'autres aventures dans la soirée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avec ce ours ou est-ce qu'on s'endort on peut peut-être, peut-être récupérer sa peau. Bah pour oui, en faire oui, des moustaches, justement. Ou une perruque. On a vous arrachez la peau d'ours, c'est ça on a ah, encore des moustaches. Ouais, donc je me mets en chemise comme ça et je sors un couteau et je commence à dépecer l'ours. Oh, il a changé Philippe, hein. Donc tu dépèces l'ours pour avoir une peau d'ours. Dis donc, c'est étonnant toi aussi. Pour avoir une peau d'ours, bah oui. Et est-ce qu'à un moment tu vas vendre la peau de l'ours après l'avoir tué, donc c'est bon. Mais je sors des ciseaux comme ça et je le tonds un peu, je récupère et avec des petits morceaux de ficelle, je fais des petites moustaches en peau d'ours. D'accord. On va dire que vous avez une peau d'ours. Et des barbes. Fait des barbes aussi. Des barbes. En poil d'ours, hein. C'est quand même particulier. Ça fait des barbes bleues, je tiens à vous dire, parce que c'est un ours bleu. Voilà. Et vous repartez le lendemain avec votre pika. Degré ou de force qui s'appelle Loon et vous commencez à traverser alors ça commence à grimper n'oubliez pas que vous êtes parti de Naku vous étiez déjà à 4000 mètres donc presque la hauteur du Mont Blanc là vous êtes à 4500 mètres l'air se fait un petit peu rare mais de part et d'autre il n'y a plus de lac il y a des champs non cultivés des champs sauvages de pavots. Je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est pas mal, ça peut faire des recettes de pain spéciaux. Ouais. Ah oui, le pavot, oui, on peut et le fumer faire aussi. Des vous voulez pour. Vous voulez sous vous arrêter pavot, ou pas sous le pavot, la ploge. Hein. Est-ce qu'on récupère pas un peu de pavot pour faire des décoctions si jamais. Ça fait très bonnes décoctions, même si évidemment les militaires condamnent cela, ça peut sauver, donc on peut en récupérer. Pour ramasser. Des pavots. Alors, vous pouvez continuer sur la route, mais l'œil toujours aiguisé de Hubert voit sur le côté gauche, donc au pied des montagnes, une sorte de maison. Donc, c'est une sorte de maison faite avec des gros morceaux de rocher, une grotte, mais artificielle d'une certaine façon, avec des lanternes qui se balancent dans le vent, des lanternes allumées. Donc, peut-être quelqu'un vit ici. Vous qui vouliez un village, c'est peut-être l'occasion, mais peut-être vous dites, nous n'avons rien à faire ici, nous sommes encore loin de Sabaran, vous avez encore au moins la moitié du voyage à faire. Vous pouvez passer votre chemin. Que faites-vous ? Il est quelle heure ? Il est 10h du matin. On ne s'arrête pas, hein, non ? On a de l'essence encore ? Ouais, ça, faut qu'on regarde, hein. Pensez au scénario, là, les 35 feuilles de quête ouais, bah oui, annexe pour partir à la benne. Mais c'est pas grave. On devrait aller voir ça, non ? Bah oui, allez. Vous faites un détour. Est-ce qu'on peut vérifier quand même s'il y a une présence militaire, genre, je sais pas, des militaires en patrouille ? Oui, voilà. Ouais. C'est nous, les militaires. Hein. Alors, il n'y a pas âme qui vive. Peut-être c'est un endroit hanté. Mais les lanternes ont l'air allumées. Il n'y a pas d'endroit hanté au Tibet. Vous savez, les lanternes allumées dans des trucs le long des routes, en général, c'est un message, hein, notamment dans les camionnettes. Mais bon. Oh putain. Bon, c'est peut-être juste un moine, hein, tranquille. Oui, peut-être. Vous y allez, on s'arrête. Oui, on y va. Alors, vous entrez. Alors, il y en a peut-être pas tous, hein. Peut-être qu'il y en a un qui reste. Vous arrêtez devant la grotte. Qui entre en premier ? Attends, c'est une grotte ? Ah oui, j'avais pas compris, là. C'est une grotte artificielle, une sorte de grotte hutte faite avec des pierres. Ah, merde, ça peut être un repère de trafiquants. Ah oui, j'avoue. Ouais, et en plus, il y a des champs de pavots. Bah ouais. Bah, on rentre, mais alors... Alors, attendez, parce que si on arrive en tant que... Enfin, là, on arrive avec une jeep militaire, les mecs, ils vont penser que c'est l'armée qui fait une descente. Alors, une descente à deux, ok, mais une descente quand même. On peut pas envoyer le Pika qui va faire diversion. Alors, tu veux envoyer Loon, c'est ça ? Je sais pas, on envoie la bestiole dans le truc, on regarde si on entend du bruit. Ouais. Alors, la bestiole, tu la jettes dans le vide noir et elle ressort et elle passe entre tes jambes. C'est le dernier moment pour l'attraper avant qu'elle s'enfuie dans les plaines. Ah, on la rattrape. La décroche, la rattrape et la remet dans ton sac à dos.
Que faites-vous ? Pas de bruit. Donc le principe, c'est de jeter ce truc-là en avant à chaque fois qu'il nous arrive un truc, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ça peut être utile. Il y a, okay. En tout cas, il n'y a pas de précipice dans le noir. Si ça fait le job, okay. Voilà. Et dedans, okay. Y a pas... on entend des bruits, y a quelque chose, on voit de la lumière dedans ? Il y a une faible lumière à l'intérieur. On fait quoi ? On allume les lampes torches ou... Peut-on parler en chinois là, ou en tibétain ? Est-ce qu'on peut pas s'approcher en mode discret ? Ah, en mode furtif. Moi, je peux ramper. Hein. On peut demander aussi à... Alors, comme il fait noir, Patrick, peut rentrer... Hein. Oui, c'est vrai que je peux... Oui, Patrick aussi. Patrick peut rentrer très furtivement. Ouais, allez-y, en mode furtif. Ok, donc je m'avance en... Patrick Pintard, cambrioleur international, rentre dans la caverne et s'aperçoit que c'est une vaste caverne où vit quelqu'un. Il y a un lit, il y a un petit poêle de la cuisine, tout ça. Et il y a un vieux bonhomme qui est assis sur son lit. Et je vais même vous donner son nom. C'est Émissaire du Lointain, un sub qui a un joli nom. Émissaire du Lointain, c'est Émissaire stylé, du Lointain. C'est bête qu'on le tue dans 5 secondes. Hein, mais... Émissaire du Lointain, il porte, donc, bien que ce soit un homme, il porte une robe colorée avec des tas de motifs et il a beaucoup de colliers autour du cou. Une sorte de chaman local. Le problème, c'est que du coup, quelqu'un peut lui parler. Moi, je ressors pour dire tout le monde est rentré ou je suis tout seul dans le truc. Non, mais il parle chinois, il parle. Il faut nos polyglottes. Peut-être faut lui parler de dehors. Parce que sinon, il va flipper là, non ? Peut-être. Je ressors, allez-y. Alors, à l'entrée de la grotte, je fais un petit EO. Vous appelez Émissaire du Lointain et il sort. Vous faites connaissance et effectivement, c'est un ermite qui propose aux voyageurs de passage, contre une très faible rémunération, de faire un voyage spirituel grâce à des substances particulières qui vous permettent, on va dire, d'éclairer, d'ouvrir vos chakras et surtout de voir le passé, mais aussi le futur ou le présent. Est-ce que vous voulez payer une somme dérisoire, on va dire c'est 10 francs, donc je ne le compterai même pas dans votre... Ah oui, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez je refuse. Ce voyage spirituel. Bah oui, moi je refuse en tant qu'émissaire de l'État français, je ne peux m'adonner à des substances illégales. Ne serait-ce qu'à une activité illégale, déjà, c'est un peu chaud. Donc, Pas comme si depuis le début. En tant que militaire, je ne peux pas non plus. Le gars rafale des ours. Voilà. Et... Okay, sachant que l'expérience sera différente pour chacun de vous. Ah et oui, moi je suis d'accord. Alors, Pintard a dit oui. Sibyl a dit oui. Je regarde l'expérience de Pintard et Sibyl avant de dire oui. Ah non, c'est un grand oui collégial ou un grand non. C'est maintenant ou jamais qu'il faut choisir. Ce sera plus possible. En tant que militaire, il y a solidarité. Si j'y vais, Philippe, vous le faites aussi. Attendez, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un qui reste sobre hein, si jamais il se passe un truc. Hein. Alors, Émissaire du Lointain, ne vous inquiétez pas, je serai là pour veiller sur vos corps. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, bien sûr. Non. Je monte la garde. On a beaucoup d'argent aussi, je vous rappelle. Je monte la garde, mais Philippe, vous le faites. Mais pourquoi ? On a déjà deux personnes qui le font, c'est suffisant. Enfin... Non, il faut un max d'informations, allez-y. Écoutez, je refuse à me D'accord, laisser... Bah je le fais, mais vous montez la garde, Philippe. Je monte la garde, allez-y. Non, je ne fais pas ce truc de beatnik. En fait, c'était une trick classe, Philippe, fallait le dire plus tôt. Tandis que Philippe Lanicroche, mitrailleuse à la main, surveille la grotte, l'extérieur de la grotte, les trois aventuriers, pour une raison inconnue alors que ce n'est pas du tout prévu, mais l'appel de la quête secondaire, prennent la substance magique qui permet de faire un voyage spirituel de l'ermite Émissaire du Lointain. Ils s'endorment et ils font tous les trois un rêve différent qui aura d'ailleurs des longueurs différentes. Donc on va commencer par Sibyl Cancel. Sibyl Cancel, c'est un rêve que tu ne peux pas maîtriser, mais tu es en train de grimper une haute montagne de Chine qui s'appelle le Montai, et tu as avec toi l'héritage du sceau du royaume, et tu sais que peut-être tu vas décider du destin de la Chine. Voici le rêve que tu fais. Patrick Pintard. Pas Patrick Pintard. D'abord, ensuite, notre ami Hubert. Hubert, j'essaie de résister un petit peu aux effets quand même. Rêves-tu du passé ou rêves-tu du futur ? Ah ouais, moi je peux pas savoir. Ton passé en tout cas. Bah oui, je rêve du passé. Non, mais c'est moi qui te pose la question. Mais je vais te décrire une scène, mais les gens ne sauront pas si c'est le futur ou le passé. Tu es dans le désert ou un endroit aride et il y a un tank. Et ce tank, c'est un tank de l'armée irakienne. Voilà. À l'époque, l'Irak, c'est les amis de la France, on est en 1969, il n'y a pas encore la guerre Iran-Irak, il n'y a pas encore eu la guerre du Golfe, tout ça. Donc un tank irakien, et il y a des militaires irakiens devant une sorte de grande maison, et tu t'entretiens avec eux, et ils sont très sympathiques, ils t'expliquent comment fonctionne le tank, etc., et tu apprends comment piloter un tank
irakien. Si un jour, peut-être, ça pourra peut-être t'aider. Très bien. Et enfin... Un tank russe, donc. Patrick Pintard va faire le trip de sa vie. Patrick Pintard revient dans le passé. Et il rêve. Alors, souvenez-vous, il y a quelques émissions, Patrick Pintard était allé à Los Angeles. Tout à fait. Ah, ton ami. Il était à Los Angeles. Et il avait fait un casse il y a 20 ans de cela, où ils avaient volé avec un ami qui s'appelait Holmes. Ils avaient volé un diamant qui s'appelait le cœur solitaire. Et ils avaient cassé ce diamant en deux. Ils avaient tous les deux une moitié. Mais Patrick Pintard n'avait jamais pris sa moitié. Donc, quand il était à Los Angeles, il a essayé d'aller voir son ami Holmes. Mais non, c'était Sastien, mon ami. Sastien Holmes. Et il n'a pas. Il a appris qu'il était en prison, ce Sastien Holmes. Il était en prison d'ailleurs au centre, je vais même le répéter, San Bernardino, c'est là où vit sa femme. Et il est au centre de détention de Los Angeles. J'ai pas la référence. Mais Patrick Pintard n'a pas pu sauver Sastien, enfin n'a pas pu aller voir Sastien dans la prison parce que Sastien. Il a pris l'avion. Voilà. Et là, nous revenons dans le passé et il va se passer quelque chose. C'est que Daz, tu vas pouvoir, si tu veux, rencontrer, aller en prison. Tu rentres dans la prison et tu vas peut-être rencontrer Sastien pour lui parler et savoir où est le cœur. Et petit truc, c'est que dans ce rêve, eh bien, il y a avec toi Sibyl, il y a avec toi Dérive, il y a avec toi l'âme. Donc, vous pouvez intervenir dans son rêve comme si on était dans le présent. Wow. Ah. À part que, vous savez, les rêves, c'est toujours un petit peu étrange, on est d'accord. C'est génial le pavot. Hein. Voilà. Un rêve multijoueur. c'est un rêve multijoueur. À part que, vous savez, les rêves, c'est un peu étrange. Donc, vous avez le droit de jouer pas votre personnage. C'est-à-dire que si Sibyl, elle a envie de tuer des gens, ou si Hubert, il n'a plus envie d'être militaire, vous pouvez être différent. Sauf Patrick qui doit être Patrick. Okay, c'est un petit peu des règles, monde des rêves. Voilà. Okay. Donc, en tout cas, vous êtes tous ensemble. Et, vous pouvez me dire, vous rentrez à la prison de Los Angeles et Sastien, on appelle Sastien, et vous êtes au parloir, et Sastien dit « Ah, mon ami Patrick, ça me faisait longtemps, 20 ans, c'est ta femme, Hélène, c'est ma femme qui t'a dit de venir ?» Oui, totalement. Je viens pour tu sais quoi. Pour me tirer d'ici. Aussi, ouais. Mais non, mais je viens pour notre vieille affaire. Rappelle-toi. Oui. Alors, tu veux ta part du diamant? Écoute, je sais où elle est. Je l'ai encore. Ouais. Mais demain, ils vont me transférer dans une prison haute sécurité au Texas, à Florence, et je vais absolument pas y aller. Donc, il faut que tu me libères d'ici demain. Alors, je précise aussi que dans ce rêve, vous pouvez tous mourir, mais si à un moment Patrick Pintard meurt, c'est la fin du rêve, il se réveille. Voilà. Okay. Ah ouais, ok, Inception. Et donc, on est tous différents dans ce rêve, on n'a pas les mêmes rôles. On peut être différent. Non, vous pouvez agir différemment, mais vous êtes le personnage. Et vous ne pouvez pas, comme dans Inception, marcher sur les murs. Voilà. Ah, ok. Ah, dommage, j'allais faire ça. bon, en gros, vous demandez qu'on... Quoi. Ouais. En gros, on fait un casse de la prison, quoi. Une prison break, quoi. Patrick, je sais que tu peux tout faire, donc tu peux peut-être me sortir de la prison, mais plus simplement, le transfert, il se fait demain en bus. Ah. Je pense qu'on sera deux ou trois dans le bus. Ce sera peut-être pas très protégé. Je sais pas, trouve. Fais ta magie, Patrick. Ok. mais tu veux pas me dire où est ma moitié, quand même, là, que je pars pas sans rien, quand même. Libère-moi d'abord, Patrick. Tu peux le faire. Tu l'as mérité. Ah, ok, très bien. Bon, ben voilà, on n'a pas le choix. On va faire un petit rapide et furieux, alors. Allez. Allez. Alors, objectif. Alors, cut sur l'action. Vous imaginez la prison. À un moment, dans la prison, il y a un bus qui va sortir, un bus de pas sécurisé, un bus de transport, on va dire. Il y aura deux policiers dedans qui auront des fusils à pompe. Il y aura un conducteur. Et il y aura trois prisonniers à l'intérieur. Ils vont à Florence, Texas. Je vous laisse vous préparer pour éventuellement faire quelque chose, mais vous pouvez me dire aussi, j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de me réveiller et c'est la fin du rêve. Non. Là, est-ce qu'on peut se téléporter? Alors, parce qu'on est dans un rêve, donc dans les rêves, on se téléporte. Est-ce qu'on peut se téléporter dans une armurerie, par exemple? Alors, non, en fait, tu as jusqu'à demain pour te préparer, puisque lui, il va être demain matin. Donc, comment tu te prépares? Alors, je vais dans un Walmart et j'achète un lance-roquette. Normal. On est aux États-Unis, donc on est aux États-Unis, donc c'est tout à fait probable.
J'achète un lance-roquettes anti-tank et des armes aussi, des gilets pare-balles, de la dynamite, des voilà, grenades à fragmentation. Oui. Dans ton rêve, le vendeur du magasin qui s'appelle Pedro, t'es Pedro, ok. Pedro, okay. Il dit, écoutez, excusez-moi, un lance-roquette, de la dynamite, des gilets pare-balles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quand même les banques? Un barbecue, bizarre. C'est plus, un barbecue. Pas américain. C'est un barbecue du Second Amendement, donc voilà, on fait des rallyes, voilà. Exactement. Non, il va falloir m'en dire plus. Là. Moi, je vais appeler la police, là, vous faites des choses un petit peu particulières. Attendez, on est blanc, il ne peut rien faire. Ah oui, non, ah oui. On peut acheter les armes qu'on veut. Okay, bien d'accord. Sûr. Patrick, vas-y, essaie de le convaincre que tu es tout à fait légitime, donc lance les dés, fais au moins 10. Ok, j'allais le convaincre en parlant. Alors, je lance les dés, je fais au moins 10, franchement. Et tout à fait dans mes cordes. Et ça fait 15. Il dit ok, d'accord. Donc, un lance-roquettes, des roquettes, de la dynamite, des gilets pare-balles. Anti-tank, hein, je précise parce que c'est important. Non, il n'y a pas d'armes de guerre. Ce sera un gilet pare-balles. Juste, ça reste juste dans la catégorie des armes de loisir. Voilà. Voilà. Leisure weapons. De toute façon, le vrai truc, c'est qu'on va tirer dans les pneus. Oui. Hein, avec lance-roquettes. Avec, dans les balles, avec des balles à tête creuse quand même. Oui, c'est pour être sûr que le pneu crée. Il n'y a pas moyen de c'est ça, de faire un truc plus discret. Genre, on prend la place d'un des deux, d'un garde du bus, et on détourne le bus de l'intérieur. Comment on fait pour, il faut ouais, qu'on intercepte un des gardes qui va au boulot. Il faut qu'on connaisse le planning exact du garde et qu'on aille droguer son café. Voilà, qu'on aille droguer son café au diner. C'est vrai que Philippe Lanicroche, depuis la conscience, arrive à rentrer sur le plan de l'inconscience. Philippe, ah oui, pardon, je suis pas là. Moi. C'est vrai. À la France. C'est dans le rêve. Dans le rêve. Dans le rêve. Dans le rêve. Si, il est dans le rêve. Et Philippe Lanicroche, donc, toi, ton plan, c'est, tu peux dire, si je trouve un costume de policier, je peux me présenter, je peux les embrouiller et prendre la place du policier dans le bus à l'entrée, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être ça. Mais où tu trouves un costume de policier et qu'est-ce que tu dis au bus? Alors, je vais... J'ai la journée, donc déjà, je tu vas au Walmart, hein, il y a des costumes. Je suis un camion qui sort de... Un camion de blanchisserie qui sort du centre pénitentiaire. Et je remonte jusqu'à l'endroit où ils lavent les uniformes. Oui. Pour aller en voler. Hein. Alors, on a la journée. Donc, tu fais ça. Tu suis un costume de blanchisserie, donc pourquoi pas. Parce que c'est un rêve, hein, tout est possible. Et tu t'aperçois qu'au moment où ils déchargent les costumes, soit tu peux le voler avec de la discrétion, soit tu peux embrouiller des gens en leur disant « j'ai besoin d'un costume ». Quelle est ta stratégie pour prendre un costume dans ce contexte? Je tente l'embrouille. Alors, donc, nous avons un blanchisseur du nom de Tufin. Tufin Blanchisserie, qui s'occupe des costumes de la police, qui donc est en train de décharger des gros bacs de costumes de policiers pour les faire rentrer dans sa blanchisserie sécurisée. Tu l'approches et tu lui dis... Et je lui dis bonjour en anglais. Hein. Je lui dis bonjour monsieur. Inspection. Hello my buddy. Inspection de matériel. Là, je sors un papier officiel français, mais de loin, tu vois, je sors une espèce de truc où il y a écrit beaucoup de choses avec des tampons. Et je lui dis voilà, je fais partie de la commission régionale de l'État de l'inspection sanitaire du milieu carcéral. Et je suis là pour observer un petit peu votre travail, car on m'a rapporté que les agents de sécurité de l'État de Los Angeles avaient des costumes sales. Ce qui est quand même malheureux. Allez, lance les dés et fais au moins 11, on va dire. Un petit 11 C'est raté. Oh, alors, il dit, bon, écoutez... votre tête ne me revient pas, je ne comprends pas du tout ce que vous dites, et si vous continuez à me parler, j'appelle les flics. Il est tout seul ? Il est tout seul. Ok, je fais mine de chercher un truc dans ma poche, et je lui prends la tête et je lui tape sur sa camionnette, quoi. Alors, tu n'es pas un guerrier, donc lance les dés et fais au moins 12. Attends, dans un rêve, become what you are. Bah oui. Allez. Et c'est un 7, malheureusement. Donc, c'est un 16.
C'est un 16. Et énervé, tu détournes son attention, tu lui écrases la tête sur la vitre. Gentiment, mais il s'est fondre quand même. Ouais. Et tu as ton costume de policier. Deuxième étape, tu vas devant la prison. On va dire le bus est en train de sortir. Tu te mets devant le bus, tu l'arrêtes. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, un des policiers descend, il a un fusil à pompe dans la main. Il te voit dans un costume de policier. Que fais-tu ? Je lui dis, bonjour, je suis Michael McMulligan et je suis de la ronde du soir. Je suis là pour escorter le prisonnier selon la demande du gouverneur. Alors, Fibre Tigre, excuse-moi, c'est oui. Mon rêve. Oui. Donc déjà, le policier sort du bus avec un Toblerone qu'il tient comme un fusil. Alors, on va dire, est-ce que tu as la puissance mentale pour changer ce fusil en Toblerone ? Mais non, mais en fait, tous les fusils sont des Toblerones. Voilà, non, c'est la mon rêve. Alors, c'est le gardien de la paix, Yukulele. Et donc il te dit, est-ce que tu as la force mentale, Patrick Pintard, de changer ce fusil en Toblerone ? Lance les dés et fais plus que 18. Oula. Ou 18. Ah, c'est compliqué, ouais. Hein. Ouais, grosse force mentale. Hein. C'est quand même mon rêve, merde. 18. Oh, 18. Oh là là. Alors, c'est un rêve. Le policier, il te parle. Incroyable, ces rêves. Tu remarques bizarrement qu'il a un Toblerone à la place du fusil. Mais bon, vas-y, je te laisse parler, Philippe. Bah, du coup, il est moins impressionnant. Je lui dis, écoute, c'est quand même redoutable. C'est redoutable. Moi, je lui montre, je lui dis, regardez, est-ce que vous vous sentez techniquement capable de sécuriser un convoi en portant ce genre d'arme ? C'est pour ça que le gouverneur m'envoie avec du matériel réglementaire, un Colt Smith & Wesson. Là, je lui montre mon arme de tenue. Je lui dis, voilà. Attendez. Qui est un Toblerone aussi, du coup. Non, qui est une arme. C'est qu'on parle de fusil. Attention, là, c'est un Colt. et je lui dis, voilà. Si jamais il se passe quelque chose lors du transfert du prisonnier, c'est votre établissement qui va en prendre un coup au niveau de l'image. Donc il dit mais effectivement je sais pas pourquoi j'ai un Toblerone et il est complètement choqué et tout le monde est un peu bizarre parce que c'est quand même bizarre d'avoir un Toblerone à la place d'un fusil tu vois qui était là il y a 2 minutes et il dit excusez-moi et je crois que je vais aller à l'infirmerie, il descend, il est tout pâle et il s'en va, tu peux prendre sa place. Philippe Lannicroche est dans le camion, est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une préparation avant que le camion Philippe s'en aille. J'ai envie de dire je respecte. Merci, du coup, merci, du coup nous on va quand même intercepter le. Donc moi en fait j'ai mon lance-roquette, je le charge avec un Toblerone. Normal. Ça, c'est une petite fixation quand même. Tu veux lancer un Toblerone avec ton lance-roquette, c'est ça ? Ah ben moi dans mon rêve tout ce qui est explosif et arme de poing c'est remplacé par des Toblerones, c'est comme ça. Alors pour que ça marche, il faut que tu fasses un 18 à chaque fois. Est-ce que tu es conscient de ça ? Fibre qui regrette tellement d'avoir dit que c'était le rêve de Patrick Pintard. Ah ben c'est mon rêve. Non mais alors, c'est quoi ? Moi je charge mon Toblerone dans mon, tu vois, je me prépare comme Rambo se prépare, tu vois. Donc je mets une raquette de ping-pong dans la ceinture, tu vois. J'ai un bandeau dans les cheveux. Et je mets des Toblerones comme ça dans mon porte-Toblerone. Et je me prépare à intercepter. Donc je suis dans la voiture avec Cécile qui conduit et je suis avec Hubert alors. Donc vous roulez derrière le camion ? Ouais, juste est-ce derrière pour suit pas qu'il nous voit. Ouais. Comme ça, Rem, si vous pouvez, derrière. Vous pouvez dire que vous êtes concerté auparavant pour faire un plan. Parce que on va dire, Philippe Lannicroche est à l'intérieur, toi t'es à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce que moi, à l'intérieur, déjà, vous menacez, en fait, le camion, le transport, et moi, à l'intérieur, j'essaye justement de demander au chauffeur de se garer sur le bas-côté à un endroit avec en braquant une arme sur lui, quoi. Ouais, ok. Exactement. Ok. Donc, tu vas faire quoi ? Tu vas le menacer ? En fait, il y a combien ? Je suis tout seul avec les prisonniers ou il y a d'autres gardes dans le... Il y a un autre garde et le conducteur. Ok, donc alors je vais essayer de neutraliser l'autre garde. Ouais. Et je vais braquer le conducteur pour lui dire, écoute, va te ranger. Je lui demande de quitter l'itinéraire, d'aller se ranger dans un endroit calme. Et pendant ce temps, la voiture derrière avec les autres larrons, ils sortent avec les armes pour encore plus lui faire peur. Vous tirez pas, hein, je vais pas prendre un Toblerone quand même, ce serait. En fait, c'est aussi mon rêve parce que j'ai rien à faire depuis tout à l'heure. Vous êtes une compétence, les amis. Alors l'autre, mais derrière, mais comment tu neutralises le garde qui lui a un fusil? Alors, je suis derrière lui, oui. dans le véhicule. Oui. Je l'assomme avec la crosse de mon un Toblerone. Allez. avec un Toblerone, on va dire. C'est compliqué, mais lance les dés et fais au moins 12. T'es pas un guerrier. Ah, combien ? 3.
3. Oh là 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 là. Oh, putain. Alors, malheureusement, tu lui fais juste un petit coup de Toblerone, il se retient, il se retourne, il dit mais qu'est-ce que tu essayes de faire ? C'est tellement un faible, tu vois, qu'il ne comprend pas, tu vois. Et je lui dis, ça va ? S'en fusir, toi. Je lui dis, ça va, on se réveille là, on est en train d'escorter des prisonniers, c'est pas le moment de s'endormir. Mais attends, t'as un petit accent. T'es sûr que t'es policier ? C'est quoi ton matricule ? Alors, je fais mine de regarder quelque chose dans ma poche. Tu connais pas ton matricule par cœur ? Non, bah non. Alors, il se retourne vers le policier, vers le conducteur et dit « Alerte vite le central ». Ah non. Alors, à ce moment-là, je sors mon arme et oui. Je dis « Bougez plus, enlève tes mains de cette radio et autrement, je vous bute ». Alors, est-ce que tu vas réussir à le convaincre et à lui faire peur ? Lance les dés et fais au moins 12. Je peux tirer en l'air aussi, hein, si jamais il faut être convaincant. Hein. 16. 16. Alors, le policier, qui n'a pas envie de mourir, surtout pour 3 prisonniers, met son fusil par terre et dit « Ok, on s'énerve pas. Je voulais juste te dire que c'était bizarre le Toblerone. Je doute pas que tu as un matricule. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut continuer tranquille ?» Le camion continue de rouler. Je lui dis « Prends cette route-là et dirige-toi sur le bas-côté et gare-toi. » Alors, il est obligé de le faire sous la contrainte. Le camion se gare. Vous pouvez, alors comment s'appelle votre ami, ça se tient, mais aussi les deux autres prisonniers, Human 78 et Morodashi, sortent, ils te font tous la bise en disant merci, bravo, et ton ami, ça se tient, te fait des bisous, tu te réveilles, tu t'es dit ah, j'ai bien fait quelque chose, et dans ta poche, tu as le cœur solitaire. Quoi ? La moitié solitaire. Mais oui, c'est fantastique. Quoi ? Tu as un diamant. C'est inestimable dans ta poche. Et non, mais la puissance du pavot, hein, la puissance du pavot, c'est les incroyable. C'est rêve chamanique. Voilà. C'est incroyable. C'était la séquence rêve qu'il y a dans tous les RPG. Et vous réveillez le lendemain matin. Philippe Lanicroche s'est ennuyé ferme, mais vous avez fait tous des trips incroyables. Et vous êtes prêt à repartir sur la route après avoir fait cette expérience mystique. Vous arrivez et. On a bien fait de s'arrêter. Pardon ? On a bien fait de s'arrêter. Ah, peut-être. Vous arrivez presque à destination. Hein. Normalement, sur votre route, vous n'êtes pas loin de Tsapalang. Il y a une ville qui n'est pas loin. Vous voyez les reliefs de la ville. Mais catastrophe, vos deux voitures sont en train de s'enfoncer dans la route comme s'il y avait des sables mouvants. Elles sont ou de l'eau, on va dire, ou de la boue. Elles sont en train de s'enfoncer. Okay. Qu'est-ce que vous faites ? Je connais ça. C'est quoi ? C'est SnowRunner. C'est vraiment des sables mouvants ? Ah, putain. Peut-être c'est des sables mouvants, mais en tout cas, je vous demande. Ah, on s'en sortira jamais. Il faut passer en petite vitesse et surtout petite pas trop, vitesse, il faut bloquer le différentiel et puis il faut essayer de s'accrocher à tout ce qu'on croise, hein, je veux dire des arbres, des poteaux là, il faut... on peut pas mettre une corde ou un... Alors, bah, normalement la Jeep elle a des capacités de franchissement quand même, ça reste une Jeep, hein. Tout à fait. Après il y a une technique aussi, c'est qu'on peut mettre la peau d'ours à plat sous la voiture, hein, pour qu'elle roule sur la peau d'ours un peu, vous voyez qu'on étend la surface grâce à la posance, ce qui fait un effet de palme, en fait. Hein. Donc, on a une meilleure portance et on peut s'en sortir. Ouais, mais il y a combien de mètres de distance de marée dégueulasse ? Bah, attendez, ouais, c'est ça, la question. Ah oui. Alors, pendant que vous discutez, les voitures s'enfoncent un petit peu plus. Ça fait même bloup, bloup, bloup autour de vous. Et là, vous dites, est-ce qu'on est dans des marécages ou dans de l'eau, finalement ? Si vous voulez vous en sortir, il faut lancer les dés et faire plus de 17. Oh quoi ? Il y a Cyril qui conduit et Hubert qui conduit l'autre. Ah bah balancez les dés. On est déjà embourbés, ça y est. Bah, c'est plus que de l'embourbement, les voitures sont en train de couler. Non, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Mais c'est la route ? C'est sur la route ? Ouais, c'est la route. C'est moi vous dire que je parlerai à la DDE. Mais c'est un reste de pavot là ou quoi ? Est-ce que vous voulez vous battre ou est-ce que vous voulez sortir la voiture ? On a une corde ou pas ? On a quelque chose ? Il y a des cordes, vous avez... La Jeep, t'as une ficelle à l'avant de la Jeep. Hein. Ah bah voilà, donc treuiller... on l'accroche à un arbre et on treuille. Ta voiture est en train de descendre, de tomber comme ça dans l'eau. Ok, je déroule la corde à l'avant de la Jeep, là, qui a un treuil. Tu sors de la Jeep, c'est ça ? Ah bah oui, bien sûr. Alors, ça commence à t'enfoncer aussi. Ah oui, tu mais je m'accroche à la Jeep, je vais sur le côté, voilà. Bah la Jeep aussi, elle fonce. Oui, mais vas-y, je grimpe sur le capot, je prends le treuil, je le lance contre un arbre et qu'il aille, il fasse un tour d'arbre. Un truc classique, quoi. Ouais. C'est quelque chose que tu, en tant que militaire, tu peux faire. Bravo, oui, belle action. Oui, on appelle ça la routine. Par contre, la Bentley, c'est mort. Fais-moi un petit 14. Quelqu'un peut me faire un petit 14 ou pas ?
Oh là là. Il faudrait qu'on ait Fredé chez nous. Stabilité, là, il faut que tu fasses, toi. T'as vraiment pas le chat ? En fait, chez Fibrotique, dans le Discord de Fibrotique, j'ai effacé tous les channels pour pas avoir de putain de... C'est le seul qui fallait pas effacer. Mais quel rageux. C'est pas grave. Est-ce que Cédric peut lancer les dés pour toi ? Attends, mais je te réinvite, l'âme. Non, mais je suis dans le Discord de Fibrotique, en fait. On peut te réinviter dans le channel. Bah, comment invitez-moi dans le channel, vas-y. Allez, moi je crée une invitation pour l'âme. Attends, Fibre. Hein. Tac. Pas de panique. Ah bah voilà, de rue l'a fait. Je vois rien, moi. Copier. Alors, attends, je t'envoie le. Je mets ça sur. Est-ce que ça marche ? Je suis dans Discord de Fibre aussi, ouais. Je vais dire bonjour dans le Game of 79. Bonjour. Ça donne le truc commun, le global. Oui, voilà, ça donne le global. Bon, quelqu'un fait le jet de dés pour moi, je. Sibyl, lance les dés et fais au moins 14 pour notre ami. Pas de pression, Sibyl. J'ai fait 9. Voilà, j'ai fait 9. Hélas. La Jeep disparaît dans les flots. Et pour la bête, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais c'est quoi cette boîte de dés ? Attendez. Je suis dans le truc boîte de dés, je peux faire le jet de dés. Ah ! Bah, alors, c'est trop tard. Annuler en place. Bah, si, il fait le jet de dés. Ctrl Z, Ctrl Z. Vas-y, lance les dés, fais au moins 14. On revient dans le passé. 9. Ils ont fait tous les deux 9. Adieu la Jeep. Que faites-vous pour sauver la Bentley ? Dernier tour pour sauver la Bentley. On fait une marche arrière, Sibyl. Je pense qu'on n'a pas le choix, là. Ouais, mais on a enfoncé, mais... Non, mais... Lance les dés, au moins 17. Attends. T'as pas le lance-roquette de ton rêve ? Tu tires dans la boue, ça... J'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Je suis à l'arrière de la voiture, parce que j'aime bien quand Sibyl conduit. Moi, j'aime bien être assis à l'arrière. Du coup, j'ouvre la porte, OK ? De chaque côté, j'ouvre les portes à l'arrière. Je prends un Toblerone dans ma main gauche. Je le mets subtilement entre la roue arrière et le sol pour faire une cale. Et oui. Okay. Et je fais pareil de l'autre côté avec un deuxième Toblerone. Et ensuite, je dis à Sibyl, marche arrière toute. Comme au Paris-Dakar. On va dire qu'au lieu de faire 17, grâce à la puissance du Toblerone, dont j'espère un jour avoir le sponsor, tu n'as qu'à faire 16. Vas-y, lance les dés. Ah, faut quand même faire 16. C'est chaud. Qui est-ce qui fait 16 ? C'est Sibyl ou c'est moi ? Tu fais 17. Tu fais 17 ? 17, Sibyl fait la manœuvre de sa vie. Et la Bentley émerge du braquage triomphante. Vous avez encore un moyen de locomotion et vous pouvez vous rendre à cette petite ville alors que la nuit tombe, qui s'appelle Zanda. Mais par contre, on peut parler là de la route chocolat là. Qu'est-ce qui s'est passé en plus ? C'est quoi la fondue, la route ? Patrick Pintard s'arrête près de la route pour comprendre ce qui se passe et en fait un marécage a débordé sur la route, coupant totalement la route. Alors, si un jour vous êtes poursuivi, ça pourrait être à votre avantage, mais en tout cas, c'était un endroit très dangereux. Okay, donc, vous arrivez dans un petit village de Zanda, Zanda si vous êtes chinois, ou Toling si vous êtes tibétain, ils portent deux noms. Toling. Et il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'épicerie, mais vous pouvez éventuellement, si vous voulez, frapper à une maison, parce que, hélas, la route s'arrête ici. Ah, donc on est obligé de poser la bagnole. Ah oui. Ah, peut-être pas. Vous pouvez aller sur les champs de pierre avec la bagnole, mais en tout cas, la route s'arrête ici. Alors je propose de poser la bagnole et de camoufler la bagnole en attendant. Ouais. Alors, comment tu la camoufles d'ours, par exemple. On met des bambous dessus, tu vois. Alors on va dire que vous mettez des branches d'arbres dessus. Ok. C'est pour qu'elle soit pas visible par les satellites ou quoi ? C'est quoi le principe là ? Si les militaires ils passent dans le coin, comme ça, ils auront plus de mal à repérer la voiture. Exactement, c'est bien qu'on ait aussi une voiture de fuite au cas où. Voilà. Une voiture de fuite, techniquement, il y en a une qui a été coulée dans la route, donc il suffit juste d'attendre que le marais redescende. C'est des marais qui engloutissent les voitures. De toute façon, c'est des marais, donc il y a de la marée, il y a le marais haut et le marais bas. Ah ouais, c'est ça. C'est la nature. Je précise que je ne suis pas en train de vous priver à tout prix de voiture, c'est juste que... Ouais. Non, vous allez voir. Le MJ. Non, mais vous avez dit que vous étiez presque très près d'être Saparang, et peut-être Saparang est effectivement là, et sur la carte, Saparang, c'est vraiment l'ultime point. Il est quelle heure, là ? La nuit tombe. Où il faut qu'on trouve refuge chez un habitant. Bah oui, il y a bien une petite auberge. Non, malheureusement, vous pouvez frapper chez un habitant. Philippe frappe chez Martissette, le Tibétain, et sa famille. Bien sûr, bien sûr. Martissette qui vous dit, écoutez, que voulez-vous, étranger ? Bienvenue à Toling, en tout cas. C'est très, très rare quand je vois des étrangers qui ne sont pas des Chinois. Eh bien, écoutez, ravi, vous avez une superbe maison, vous avez une superbe famille aussi. Bien sûr. Et voilà, nous sommes des touristes suisses.
Suisse, d'accord. Suisse, en vacances, ici, et nous sommes perdus, et nous aimerions éventuellement passer la nuit chez vous, contre rémunération, si vous le souhaitez. Nous sommes Suisses. Car nous sommes Suisses. Je refuse de prendre votre argent, vous êtes les bienvenus chez nous. C'est tellement gentil. Écoute, voilà. En tout cas, si un jour vous avez besoin de blanchir le vôtre, nous sommes Suisses. Très bien. En tout cas, vous passez la soirée commence chez la famille Martissette. Donc, il t'explique qu'il y a un poste de police qui est parti en chinois et que les Tibétains ici sont particulièrement opprimés par les Chinois. Notamment, ils veulent renommer la ville alors qu'ils viennent juste d'arriver et qu'ils sont deux Chinois et que tout le reste est des Tibétains. Également, la ville, elle s'appelle comment, excuse-moi ? La ville s'appelle, alors, si tu veux le nom... Zanda. Zanda, si tu veux le nom chinois, ou Toling, T-H-O-L-I-N-G, si tu veux le nom tibétain. C'est la fameuse quête où on sauve une ville opprimée. Maintenant, amis touristes, comment puis-je vous aider ? Est-ce que vous voulez visiter les environs ? Est-ce que vous voulez visiter les montagnes majestueuses de l'Himalaya ? Sibir. Ah oui ? Sibir. On veut aller à Tsaparang. C'est ça, ouais. On est à combien de... On a combien de temps de Tsaparang à partir d'ici ? Alors, il te montre une direction et il dit c'est à 20 minutes de là. Mais je peux vous prêter des chevaux si vous voulez. Mais non, il est gentil, Martissette. Donc, le mec, il veut pas notre argent, il veut... C'est bizarre. Bon, bref. Alors, l'hospitalité, c'est sacré chez nous. J'imagine qu'il y a quelque chose à faire en échange, genre sauver les gens. Ou... Ah, si vous voulez, nous n'aimons pas trop les Chinois. Et je dois vous dire qu'à côté de Tsaparang, il y a des mystérieux tanks qui ne sont pas chinois, ils sont étrangers, je ne sais pas pourquoi. Ah, ils seraient pas irakiens, ces tanks. je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc là, en fait, vous nous dites qu'on est à 20 minutes de Tsaparang. Si vous prenez des chevaux, sinon vous pouvez y aller à pied, ça mettra. Prenons des chevaux. Bah, on va dormir, on ira demain matin, non ? Pas tout de suite. Hein. Est-ce qu'on peut dormir gratuitement chez vous, parce que vous ne voulez jamais d'argent de toute façon. Mais bien entendu, je serais insulté si vous ne faisiez pas ça. D'accord. Oh, je prends le truc au mur et je te paye dans 15 jours, est-ce que c'est possible ? Alors il l'arrache et je le donne. C'est possible. Prenez-le, je l'ai fait pour vous. Ah, ils sont forts, ces Tibétains. Vous passez une nuit merveilleuse avec des rêves qui vous font oublier les tourments que vous auriez qui vous resteraient des substances que vous avez prises la veille, et vous vous réveillez le matin et vous avez même du thé au beurre rance de yak offert par Martissette. Il faudrait qu'ils changent de petit déj, hein, c'est quand même là, ouais, là on leur parle un petit peu. Do you know the biscotte? do you know Ricoré? Alors il dit je connais, et il te montre de la tsampa, c'est de la farine d'orge je crois, et il fait des petits pains qui est de tsampa. Il faudrait lui apprendre le beurre de micelle, en vrai. Bah oui. Voilà. Du beurre de micelle de yak, si on pouvait lui apprendre ça. Même le beurre full sel, en fait, je pense qu'on peut. Attendez, en plus, c'est que le sel d'Himalaya qui est tellement à la mode aujourd'hui. Là, ils ont plein de sel d'Himalaya chez eux. Là, on va leur apprendre à faire du beurre de yak au sel d'Himalaya. Ce sera notre cadeau. Alors, vous lui apprenez, même si, vous savez, il dit, vous savez, déjà, j'ai des problèmes avec les Chinois qui essaient de nous enlever notre culture. Donc, je veux bien prendre la vôtre, mais je veux garder un petit peu le peu de Tibet qu'il y a en nous. Non, mais c'est un mix entre tradition et modernité. Oui, voilà. J'en prends bien note. En tout cas, vous m'avez honoré en restant ici. Et sachez que vous et votre famille, vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Ah bah, on reviendra exactement à n'importe quel moment. Peut-être un moment un peu impromptu. Bon, écoutez, on va prendre vos chevaux, on va prendre votre beurre. Je veux ton beurre, tes bottes et tes chevaux. Et on y va. Et c'est le moment de nommer avec les subs, les chevaux. Donc, alors, si je peux avoir un cheval qui s'appelle Artpass, personnellement. Artpass. vu qu'on a passé des marécages, du coup, il est safe maintenant. Artpass. Alors, on va dire que le tien s'appelle Artpass. Il y en a un autre qui va s'appeler Wolf. Ah oui, Artas. Wolf, oui. Prince Game. Artax. Pyrodium et Krayak. Ça vous va ? Qui prend qui déjà ? C'est ça le. Qui veut quoi ? Sibyl, tu choisis. Peu importe, je prends le dernier, c'est pas grave. Donc, c'était comment ? C'était quoi le dernier ? Pyro. Je sens qu'il y a. Ah, voilà, je prends le dernier. Alors, excusez-moi, c'était Krayak le dernier. Krayak. Krayak. Pyrodium et Wolf Prince. Pyrodium, c'est pour Patrick Pintard, ça. Ouais, vas-y. Allez, il est en rhodium. Il reste Wolf Prince Game. Eh ben, je prends Wolf. Il était pas mal, celui-là aussi.
Et oui. Ce canapé, alors, c'est le canapé vivant. Hein. Et bien sûr, avant de partir, on s'est bien, on s'est mis des barbes et tout. Hein. Alors, on se déguise un peu. Une barbe, hein. C'est ça? Ah, oui, oui. Attends. Ouais, moi, je me mets une barbe, allez. Ouais. Non, mais vous pensez vraiment que les militaires, ils sont entre nous et de sa parangue, là? Pour de vrai, alors qu'il n'y a même plus de route. Il y a des tanks et tout. Ils sont pas... En tout cas, on se déguise, quoi. Et on se met un peu en mode moine, on peut pas faire ça? C'est un peu en mode tibétain, quoi. Ouais. Alors, contre un petit peu d'argent, parce que cette fois-ci, il faut payer. Vas-y donc. Non, bah, non, ça, mais hein. Tu m'as payé, c'est bon, on paye. Vous achetez quatre tenues de moine. Voilà, très bien. Vous êtes désormais des moines, mais pas rasés, poilus. Bon, en tout cas, sur vos chevaux, vous remontez dans la direction que vous a dit le pauvre Martissette. On doit être stylé quand même. Hein. Et vous arrivez au bout du monde. Au bout du monde, le chemin vous emmène au loin à une forteresse en haut d'une montagne. Donc une forteresse abandonnée depuis des années, une forteresse du nom de Tsaparang, qui était la capitale d'un royaume ancien, le royaume de Jugé dont on a parlé, et où il y avait un royaume lointain auparavant. Et effectivement, alors que vous approchez de cette forteresse, je vous invite à googler Tsaparang, chers auditeurs et spectateurs, et pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un peu Minas Tirith, mais à effondrer. Et devant l'endroit, il y a un tank, le tank de ton rêve, une piste d'atterrissage, un petit avion, trois hommes qui sont là près des tanks, et voilà. Okay. Ah oui, c'est pas paumé ouais, quoi. C'est pas une piste d'atterrissage quoi. Il y a un aéroport quoi. Bon, ok. C'est une piste d'atterrissage militaire. C'est juste, c'est aplani quoi. C'est de exactement. Très bien. Il faut qu'on se fasse discret. Ouais. Oui, parce qu'il faudrait on se retrouve à tirer dans la forteresse avec le tank parce que. Ouais. Est-ce qu'il y a pas on peut pas contourner pour rentrer par une autre entrée dans la forteresse? Alors, à un moment, non. Il va falloir s'en approcher. Tu peux rentrer par derrière, mais il n'y aura peut-être pas d'entrée. Et il y a trois personnes. C'est quoi? On les regarde? C'est des gens en costard? C'est des militaires? C'est des gens armés? Alors, c'est des gens bronzés, déjà. Ils ne sont pas militaires, mais ils se tiennent droit comme des militaires. Et ils attendent. Il y en a un qui est en train de jouer au solitaire, tu vois. Est-ce qu'il est possible que si j'ai vu des soldats irakiens dans mes rêves, ils m'aient vu dans les leurs? Je ne sais pas, tu peux leur demander. Il s'est passé quoi déjà dans ton rêve? Des Irakiens m'apprenaient à conduire un tank. Mais ça tombe bien parce que j'ai pas utilisé beaucoup de mes jokers de talent. Et évidemment, je suis irakien dans le sang. Je connais parfaitement le peuple irakien, la langue irakienne, après des années de formation. Coutumes, tout. J'ai fait un BTS d'irakien. Donc, voilà. T'as une robe de moine, t'as une fausse barbe et tu t'approches d'eux, c'est ça? Voilà. Mais ils sont irakiens ou pas? Ils sont bien irakiens? Ouais, oui, ils sont irakiens. Le tank est irakien, en tout cas. Oui, il parle cinq langues, alors qu'il est, il a déjà trouvé le Graal. Alors, donc, je m'approche d'eux et je leur dis un petit salut un peu familier en irakien avec un petit clin d'œil. Oh, ils sont surpris? Et ils disent, alors ils commencent à te parler en irakien. Tu sais pas parler l'irakien, on va dire le perse ou le. Je sais pas, j'ai pas révisé, je sais pas s'ils parlent. Je parle le Jacques Chiracien, c'est un petit dialecte. Ils parlent en anglais. Ils parlent en anglais. Ils disent, mais qu'est-ce que. Bah, vous connaissez? On se connaît peut-être? Je sais pas. Mais bien sûr, rappelez-vous, il y a 20 ans. Ça. On a appris à conduire ces tanks ensemble. Ah bon? C'était pas tout de suite en fait? Non mais du coup c'est une loupe temporelle. Alors, ils vont m'apprendre maintenant, mais du coup comme je l'ai appris il y a 15 jours dans mon rêve, je sais déjà. Je te présente les trois Irakiens. Il y a Tiger Jack qui est un colonel. Il y a Red Rum et Blue Sky qui sont à ses ordres. Donc on va dire tu vas parler à Tiger Jack. Non, ils ont des noms de cocktails, très chers dans un bar parisien. Écoutez, Tiger Jack, on a été envoyé ici pour. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que font des Irakiens ici? On est envoyé ici. Alors, pour... si tu veux une petite aide, tu remarques qu'il y a un portrait de Saddam Hussein peint sur le tank. Voilà, on a été envoyé ici pour vous aider à lutter contre la future menace iranienne qui va s'allier avec la Chine. Alors, il dit, comment vous savez qu'il y a des tensions avec l'Iran? Vous savez qu'en ce moment, ils sont en pleine révolution, l'Iran. Je vous rappelle que je suis un Chiracien, donc je connais très bien la France et l'Irak. Ah, vous êtes français? Oui, effectivement, on aime beaucoup la France. Merci de votre soutien dans les relations internationales. Exactement. Donc, on est venu là pour vous aider, vous prévenir. D'ailleurs, que dans quelques années, Ronald Reagan vous vendra des armes à vous et aux Iraniens. Mais bon, ça, je ne vous l'ai jamais dit.
En attendant, voilà, on va essayer de rentrer dans ce temps parce qu'il paraît qu'il y a peut-être des espions irano-chinois qui se sont infiltrés dans ce temps. Ah, je vous rassure, il n'y a qu'une personne dans ce temple, c'est le chef d'expédition et il y a personne d'autre. On l'a bien nettoyé. Comment s'appelle ce chef d'expédition déjà ? Alors, il l'appelle et c'est Madame Oborov qui, malgré son nom russe, est irakienne aussi. D'accord. Et c'est une archéologue. Voilà. Et elle vous serre la main, elle dit oh, bonjour, oh, des Français, merveilleux, Français. Les Français irakiens. Qu'est-ce que vous faites à l'autre bout du monde ? Là, il faut envoyer Sibyl en mode scolaire universitaire, là, travail. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être une archéologue. Moi, je me méfie de. Déjà, elle s'appelle Madame, du coup, ça fait un peu méchante. Donc, ouais. Madame Oborov, que faites-vous ? Alors, vous répondez, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes juste des touristes ? On vend des tables de ping-pong, du cochon, des Toblerones. Des Toblerones. On se balade, mais étant des amis de l'Irak, on se devait de venir vous saluer, évidemment. Eh bien, écoutez, ça contre l'ennemi iranien. Elle vous serre la main ici. Elle dit, moi, je fais des fouilles. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter un petit peu ? Ça part ? Avec plaisir. Ah, volontiers. Ah bah non, on a vu. Je vous présente votre Sibyl, qui est une homologue française, qui est archéologue aussi. Oh, Sibyl Cancel, ouais. Je vous connais, elle te serre la main. Enchantée. En plus, vous êtes une spécialiste de la Chine. Ce que je vais vous dire, c'est pas tout à fait chinois, mais ça va vous plaire. Donc, elle te fait visiter l'immense forteresse de Tsaparog et elle dit Saddam Hussein est notre bien-aimé dictateur, a envie de justifier par l'archéologie le fait que l'Irak, par exemple, s'étend sur le Koweït, sur l'Iran, voilà, aurait des prédispositions à s'étendre un petit peu partout. Et j'aimerais prouver qu'une ancienne tribu turque qui était issue d'Irak, en fait, habitait à Tsaparang. Et je suis là pour faire des recherches et trouver ce type de preuves. Donc j'espère que je les trouverai. C'est pas des sunnites ou des je sais pas quoi non. Pour être plus précis, ce sont des blablabla. Ce sont des tribus turques qui s'appelaient les Karakhanides. Voilà. D'accord. Alors, vous, Phil Panicroche, il se dit, tiens, si on arrive à démontrer qu'il y a très longtemps, il y avait des Irakiens qui étaient de la même tribu ici, l'Irak aurait une bonne raison déjà de passer sur l'Iran et peut-être même de remonter jusqu'au Tibet. Et à ce moment-là, il y aura peut-être un conflit avec la Chine, mais bon, ça, tout ça vous dépasse. Bon, tout ça est tellement loin. Est-ce que je l'aiderais pas ? Vous voulez qu'on travaille ensemble ? L'idée, c'est de rentrer dans le temple aussi. Bah, je rappelle qu'on ne les trahira pas avant 12 bonnes années, hein, donc ça va. Pour l'instant, on est potes. Eh bien, écoutez, bienvenue ici. Je vous laisse vous installer. Et pendant les jours qui viennent, Madame Oborov et Sibyl Cancel vont chercher dans le temple. Alors, Sibyl Cancel, j'imagine que secrètement, tu vas chercher le sceau de l'héritage du temple. Bah, oui. Mais les autres. Et que faites-vous, vous trois ? Vous passez le temps ? Les trois autres ? Bah, moi, oui, du coup, je discute avec. Alors, c'est con parce que vendre du cochon à des Irakiens, j'imagine que c'est compliqué. Bah, comme des animaux de compagnie. Ils ne sont pas musulmans, les Irakiens. Ah, bon, bah parfait. C'est l'Irak progressiste. Il n'y a pas encore eu la on va dire. Alors, moi, je propose d'organiser un petit tournoi de ping-pong. Allez. Moi, je les initie aux échecs. Alors, d'accord. Donc, pendant les deux jours... Moi, j'escorte Sibyl. J'escorte Sibyl si elle va... Tu vas toute seule dans le temple là, pour chercher les trucs, là ? Bah ouais, je travaille avec elle, quoi. Ok, Philippe et moi, on a changé le truc en MJC, donc voilà. Moi, je suis Sibyl et Oborov, Madame Oborov. En tout cas, des liens se nouent entre vous, puisque, cela dit, Patrick Pintard écrabouille au ping-pong les Irakiens, et Philippe Anicroche déchire totalement aux échecs les Irakiens, parce que ce sont deux grands maîtres, mais bon, à part ça... Hey, regardez les relations cool, les gars, putain. Non, mais on les déchire, mais tu vois, avec élégance. Semblant de perdre. Hein. Voilà, Dream Team 92, tu vois, on le fait, mais quand même avec élégance. Ouais. Des liens d'amitié se nouent, et Sibyl... Tu vas chercher avec Madame Oborov, lance le dé une première fois. Ouais. Et fais-moi au moins 14. Premier jour de recherche. Sibyl cherche et Sibyl trouve. Sibyl trouve caché entre deux dalles un dirham du 10e siècle venant justement de la tribu des Karakhanides. Tu as trouvé exactement ce que Madame Oborov cherchait. Wow, elle te dit c'est fantastique. Cool. Je vous en prie, est-ce que vous me permettez de le garder ? Saddam Hussein, Monsieur Hussein va être vraiment, le président Hussein va être vraiment ravi de cette pièce qui peut tout changer à l'histoire de l'Irak.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Si mais je continuerai à travailler un petit peu dans cette forteresse parce qu'elle elle m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'époques mélangées et ça c'est très intéressant. Oui, on voudrait prouver que des Français ont vécu aussi à la même époque aussi. On pourrait revoir complètement toute la politique internationale. D'ailleurs, encore une fois, notre maire s'appelle Jacques Chirac, hein, donc il y a des racines. Donc, comment ça s'appelle en tout cas, une première pièce et également une relation d'amitié entre Madame Oborov et toi. Deuxième jour de recherche et deuxième jour de ping-pong et d'échecs. Vas-y, lance le dé à nouveau, Madame Sibylle, et essaie de faire au moins 14. Non, aïe. Je fais 10. 10. Le deuxième jour, tu ne trouves rien. Alors, moi, le deuxième jour, je commence à me réveiller un peu et je dis, attends, il est possible que la Chine envoie des forces armées à l'assaut. Parce que on est bien tranquille, on vit une petite vie de club de vacances. Donc, je propose qu'on se remonte les manches dès le deuxième jour et qu'on crée une série de pièges tout autour du temple pour éviter de se faire envahir. Ça, c'est l'épisode de l'agence touriste là où il commence à bricoler. Je veux bien les pièges, oui. Mais quel type de pièges ? Je commence à me familiariser avec le tank aussi un petit peu. Okay. Ouais, voilà, mais pas des pièges qui mettraient. Des pieux pour qu'ils s'empalent dessus ou... Je note Hubert. Apprends à manipuler le tank, ce qui au regard de vos liens d'amitié se fait bien. Donc, qu'est-ce que tu fais comme type de piège ? Moi, je propose des fosses. Je creuse. Bambou au fond. Avec du bambou au fond, ouais. Donc, des fosses pour des humains, c'est ça ? Des fosses pour pour des militaires. Mais on les marque quand même. Nous, on sait où c'est. On fait attention. Juste devant les fosses, on tartine avec du beurre de yak pour que les gens glissent bien dans la fosse. Beurre de yak dégueulasse. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un petit passage pour pouvoir s'enfuir rapidement par derrière ? Vers l'avion. Voilà, vers l'avion. Il faut aussi qu'on... Vers l'avion, mais on a des pilotes. Vous savez piloter, vous ? Moi, je ne sais pas piloter. Hubert, non, l'avion. Moi, je sais. Hubert pilote. Okay. Et militaire. Ah, ok, d'accord. Bah voilà. Incroyable. Alors, je veux dire, l'avion, c'est qu'une voiture avec un axe de plus. Mais comme quoi, vous avez eu l'intuition, puisque vous avez... au matin du troisième jour, il se passe deux choses. Ah. Lydia trouve une porte secrète dans la forteresse. Et effectivement, au loin, de l'autre, du village, s'approchent deux tanks chinois. Des tanks. En bataille de tanks. On va commencer par les gens qui voient les tanks arriver. Les Irakiens commencent à dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Dites-moi ce que vous faites. Dites-moi ce que font les gens qui sont du côté armé et vous. Après, je passerai sur Sibylle. Les tanks sont sur la route qu'on a prise avec les marées dégueulasses, là, ou pas ? Ils ont déjà passé cet endroit et ils ont passé également le village. Ils sont sur la route vers Tsaparang. Ils n'ont pas roulé sur une Jeep, par exemple, alors, du coup. On ne sait pas. Peut-être que vous le saurez. Bah du coup, oui, on dit aux Irakiens, mais qu'est-ce qu'on dit aux Irakiens du coup ? Est-ce qu'ils doivent On va dire aux Irakiens, c'est que ce sont ces tanks, le drapeau, c'est un drapeau, on ne sait pas si les Chinois ont un peu iranien, je trouve, ce drapeau. Il y a des airs de drapeau iranien. Non, mais il dit de toute façon, oui, vas-y. Pardon, on pourrait se cacher aussi. Mais pourquoi faire ? On n'est pas censé, enfin, s'ils trouvent que les Irakiens et que nous, ils ne nous trouvent pas, tu vois. Non, mais je pense que les Irakiens, on va leur dire non, mais attendez, vous êtes ici en mission officielle ou ils viennent vous chasser ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent vous chercher, ces gens-là ? Vous entendez un bruit d'obus et l'obus passe largement au-dessus de vous. Par contre, il tombe sur la forteresse de Tsaparang. Poum ! Et il y a des choses qui sont en train de s'écrouler. Pourquoi ? Alors, je donne un élément de contexte. Également, la révolution culturelle chinoise fait que les Chinois n'ont aucun remords à détruire tout ce qui n'est pas culturellement chinois. Voilà. D'accord. On dit aux Irakiens, on dit mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des Chinois aux trousses, vous nous avez mis dans de beaux draps là. En fait, on n'a pas dit clairement qu'on avait apporté un tank, même si on a les autorisations de faire des recherches ici archéologiques. Vous avez passé un tank en douce à la frontière. Et l'avion aussi, c'était un petit peu en douce. Mais c'est un joli talent, hein, franchement. Oh là là, dis donc, vous nous avez mis dans un sacré pétrin, dis donc, ils viennent vous chercher. J'essaie de repousser un peu la faute sur eux du coup. Du coup, il faut que vous nous aidiez à. Mais il faut défendre le patrimoine. On va les aider. Tiger Jack, commence à monter dans le tank. Est-ce que tu veux laisser Tiger Jack conduire le tank ? Non, je vais prendre les commandes du tank. Enfin, je vais le conduire avec Tiger Jack. C'est-à-dire, je vais dire à Tiger Jack de conduire le tank et je vais m'occuper de la tourelle.
Alors, tu rentres dans la tourelle du tank. D'accord, parfait. Que fait nos amis Patrick Pintard et Lanny Croche? Moi, je vérifie une dernière fois les pièges et je vais m'enfermer dans le temple Ils ont des armes, les Irakiens, ou pas? Ah, mais on a nos armes, nous. On a des armes, nos armes. Ils ont aussi des fusées d'assaut, mais tu en as aussi. Je rentre dans une salle, mais costaud, pas dans un vieux truc qui peut se faire défoncer par un obus. Ok, et Patrick, qu'est-ce que tu fais? J'hésite, parce que le tank est parti. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve un moyen de s'emparer d'un des deux tanks adverses. Ah ah! Mais moi, je sais pas piloter ces trucs-là, moi. Vous savez voler des choses, après. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux mettre un soldat irakien avec vous, si vous arrivez à voler un tank. Voilà. On va tirer sur des tanks pour essayer de l'éclater, on va essayer de récupérer l'autre. Parce qu'un contre deux tanks, je peux vous dire qu'en général, la supériorité numérique des tanks, c'est un élément crucial, quoi. Moi. Ok, alors on part à cheval en faisant un arc de cercle pour être hors du champ de vision du tank, parce que le tank, il a un FOV à 90 degrés, tu vois. Donc imaginez Patrick Pintard, Jean Rochefort à cheval, qui essaie de contourner un tank, mais ok, vas-y. Et comment tu vas rentrer? Attendez, avant que vous partiez, Patrick, comment vous comptez rentrer dans le tank? Parce que c'est loin d'avoir des systèmes de verrou à triple sécurité sur les écoutilles d'un tank. Ok. C'est tank Patrick. Chinois. En plus, donc il y a une chance sur deux pour que même les verrous ne marchent pas. Hein. Mais dedans, ils vont t'attendre en mode armé jusqu'au cou. Hein. On aura l'upper ground, puisqu'on sera nous en hauteur au-dessus de l'écoutille. Il faut toujours être au-dessus. C'est Ben Kenobi qui nous a appris ça. Et il a qu'un soldat irakien. Donc, on va attirer l'attention en essayant de shooter un premier tank. D'accord. Donc, Hubert tourne la tourelle vers le premier tank, arme, met l'obus, appuie son doigt sur la gâchette et cut sur Sibylle. Philippe, est-ce que tu vas dans l'endroit où... j'accompagne Sibylle. Alors, Sibylle, ouais. Madame Oborov et Patrick, Philippe Lanicroche sont dans une pièce vraiment tout au fond dans les caves du palais de Tsaparang, et tu as découvert une porte, donc une porte de pierre. Et cette porte, elle est hermétiquement scellée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de ciment extrêmement scellé sur les bords, mais tu es persuadé que la porte se pousse ou se tire et que derrière, il y a quelque chose de très important, car il y a marqué sur une plaque de bois presque effacée en chinois, très important. Sanctuaire des Chatuo. Chatuo, c'est justement le clan d'où venaient les Tang qui avaient le sceau. Oh là là. Donc, du coup, je touche tout, j'explore tout pour voir s'il n'y a pas un endroit que je peux pousser, un mécanisme pour... Il n'y a pas vraiment de mécanisme, c'est une sorte de ciment qui s'effrite un peu. J'essaie de l'effriter au max avec mes outils d'archéologie. Là. Alors, Madame Oborov te dit, mais est-ce qu'on y va franco? Parce qu'il faudrait peut-être prendre des précautions en tant qu'archéologue. On ne sait jamais si on abîme la porte. Je regarde Madame Oborov, je lui fais, écoutez Madame Oborov, ce temple va être... Si nous ne faisons rien, ce temple risque d'être détruit dans les minutes à venir. Donc, entre un patrimoine brisé et un patrimoine légèrement dégradé, que préférez-vous? Alors, il parle bien. Bravo. Pendant ce temps-là, donc l'autre guerrier, comment dire, il y avait Tiger Jack, il y avait Red Rum. Alors Red Rum, il s'est mis dans l'avion au cas où, c'est un problème. Et Blue Sky est venu vous voir. Et Blue Sky vous aide à enlever le ciment qui est autour de la porte. Vous entendez un sifflement et la porte est aspirée en arrière. Et vous-même aussi, vous êtes aspiré en arrière. C'est comme si la pièce était sous vide et donc vous êtes aspiré dans la pièce. Est-ce que vous luttez ou est-ce que vous laissez porter par le bonheur de la pièce? Ah bon, on lutte. Moi, je lutte. Moi, j'essaie de me rattraper un truc. Hein. Sol. Ouais. Alors, vas-y d'abord, Sibylle. Lance les dés. Fais au moins 8. 13. 13. Allez. Et toi aussi, Philippe Lanicroche, lance les dés et fais au moins 13. 8. Bien tenté. C'est vrai. Ah, c'est bien. Donc, alors que vite aspire les héros dans la pièce, Philippe Lanicroche et Sibylle s'accrochent au mur et arrivent à tenir bon et à ne pas être aspirés. Et je cut sur qui va tirer sur le tank. Lance les dés et tire ton premier obus sur un tank. Vas-y, tu fais au moins 12 et tu as ce tank. 12. N'hésite pas. Attends, à passer, j'ai le peur quand même déjà pris l'Irakien. Hein. C'est pas mal. J'ai pas le droit à un bonus là? Dans le cash-up, là, si tu veux être plus fort.
De quoi? Dans le cash shop, les trucs de tank, en principe, c'est toujours... Attention. 10. L'obus file au-dessus de du tank et malheureusement va détruire la maison du pauvre Martissette. Quoi? Non. Oh non, eh ben, oh non, je fais rien, c'est comme ça. C'est horrible. Et pendant ce temps, notre ami Martissette, il est mort Martissette ou pas? Bah, il y a des chances et sa famille aussi. Mais c'est horrible. Le mec, il nous a donné son beurre, ses chevaux et il meurt derrière. Non, c'est pas. Il est peut-être. Alors, il faut voir le bon côté, c'est que les chevaux maintenant ils sont à nous. ça tombe bien puisque Patrick Pintar, tu vois l'obus, tu as même pas le temps de pleurer puisque tu t'approches en cheval du tank. Dis-moi ta manœuvre exacte, qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Alors donc j'ai fait un arc de cercle pour contourner donc le tank. Voilà, Indiana Jones, la dernière croisade. Voilà, exactement ça, mais sans le canyon. Du coup, je reviens en fait sur le tank par l'arrière, par l'angle mort, hein, parce que je sais que les rétroviseurs sont très mauvais sur les tanks chinois, notamment. Et je suis avec le soldat irakien, là, et donc on se met à la hauteur du tank et je lui dis de monter dessus, par l'arrière. Ok ? Ok, il essaie de monter dessus, c'est pas facile parce que c'est pas un acrobate comme toi. Mais moi, je monte aussi dessus. Hein, Ouais. Alors, tu vas lancer les dés. Tiens, vas-y. Lance 2 dés et fais plus de 10. Dis-moi si tu fais. Je fais 1 dés 20 ou 2 dés 20 du coup? C'est quoi le principe là? Je lance 2 fois. Non, tu lances 2 fois 1 dés 20. Tu me dis les deux chiffres. Et tu me diras, alors, tu pourras 16. Choisir. Ouais, ça peut être toi. Ça peut être moi, hein, je pense. Et 18. Oh bah. 18. Oh, bah. Eh bien, c'est des deux chevaux et vous êtes tous les deux sur le tank. Ok. Donc là, on s'avance sur l'écoutille principale. Oui. Qui s'ouvre toute seule, parce que le tank, la personne à l'intérieur, vous a entendu. Il est fort, hein, quand même. Là. Vous avez fait quand même boum, tu vois, quand vous êtes tombé dessus. Donc, il vient, mais assez innocemment, tu vois. Il ouvre l'écoutille, ouais, okay. Il dit tu vois, il est surpris. À vous d'agir. Ah. Donc là, je referme l'écoutille sur sa tête. Okay. C'est lourd, hein, c'est... D'accord, tu fais ça, et je voudrais savoir ce que fait aussi pendant ce temps-là Hubert. Je recharge au maximum, j'ai dit à Tiger... Et tu retires sur le tank? Ah bah évidemment, Recharge. Il revise, il a la gâchette sur la main. Pendant ce temps, dans le temple, alors vous vous approchez, une lanterne à la main, du précipice. Effectivement, de l'autre côté de la porte, il y a une large pièce, avec un tout petit rebord, genre de 10 cm sur tous les côtés. Et au milieu du précipice, c'est-à-dire à 2 mètres dans le vide, il y a une belle pagode chinoise ancienne. Mais entre vous et la pagode, il y a le vide. Que faites-vous? Mais le pénitent le passe, hein. C'est-à-dire, tu veux marcher dans le vide? Non, j'arrive. Je jette du sable. Je jette une poignée de terre comme ça dans le vide. Elle tombe dans le vide, malheureusement. Ah non, encore plus sinistre, tu n'entends que le bruit de la poignée de terre au fond, 5 secondes après. Donc, c'est vraiment très profond. Mais la pagode, elle est sur un pic? Elle est sur quoi? Elle est effectivement sur un pilier au milieu. Elle est jolie, la pagode? Ou c'est quoi? C'est une pagode? Elle est magnifique. Elle est impériale. Et du coup, donc la pièce, il y a un petit rebord sur le tour, sur le contour. Il fait tout le tour de la pièce. Tu peux tenter de faire le tour de la pièce sur le petit rebord de 10 cm. Il faut sauter sur la pagode. Choix en 10 cm. Oui, il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. C'est loin. 2 hein. Mètres, ça se fait, hein, franchement. Une corde, sinon on accroche une corde. Mais 2 mètres, ça sent le jet de dé à 12-13 et ça, c'est casse-gueule. Hein. Oh là là, c'est dur ça. On peut pas. Et les deux autres, ils ont fait. Les madame et le militaire, ils se sont fait aspirer? Non, ils sont encore avec toi. Ah, ok. Ah. Est-ce qu'on court ou pas? Non, mais 2 mètres, les gars, 2 mètres. Non, mais 2 mètres, ça saute, mais si jamais on tombe. Attends, j'ai une idée. On a une corde ou pas? Voilà, tu m'accroches. Ouais. Tu tentes le saut et si tu tombes, on te retient. Je tente le saut. Philippe, la nicroche, du coup. Vas-y, Sybille. Alors, on accroche. Sybille. On la nicroche. On la nicroche et on retient tous la corde. Sybille saute. On va voir ce qui va se passer. Pendant ce temps, vas-y, lance notre ami, attends, notre ami vise le tank. Alors, je vise le tank. Oui. Je dois faire combien? Tu normalement, dois faire... je dois faire un peu moins, Fibre, parce que j'ai un peu, tu sais, j'ai regardé un peu 12. Non, mais tu vois,
Non, comme j'ai vu le truc un peu d'erreur. Ouais, mais comme j'ai vu le truc d'erreur, tu vois, je vois un peu mieux là, je dois viser, donc normalement je dois faire moins de 12, non ? Cette négociation, 12. Tu es déjà militaire accompli. Oh là là, c'est magnifique, c'est ce que je voulais, c'est 12, évidemment. 12. L'obus file et va sur le tank. Le tank a 3 points de vie, il n'en a plus que 2. Quoi ? Et continue à avancer, et ce sera à lui de tirer. Est-ce que quelqu'un peut lancer les dés et me dire si je fais au moins 12 les dés pour moi ? Moi, je veux bien lancer les dés. Tu peux pas lancer les dés non plus, toi ? Non, si, je peux, mais je suis occupé, je l'ai même occupé. D'accord. On va même pas savoir ce qu'il fait. J'ai peur. 17. Merde. 17. Et moi aussi, là, le tank chinois lance un obus et tire sur le tank irakien. 2 points de vie pour ton petit tank et l'autre, ton pilote est en train de faire une prière et dit « Est-ce que je dois aller quelque part ? Dites-moi des ordres, colonel. » Alors, on se déplace un peu pour monter encore plus haut, en fait, prendre encore un peu plus l'ascendant du high ground et préparer notre troisième tir. Vous réfugiez, vous allez plus près de la forteresse. Oui. Pendant ce temps, vous êtes en train de... Donc, Patrick Pintard vient à peut-être assommer, hein, je ne sais pas, en refermant brutalement... normalement, je l'ai tué même. Que fais-tu ? Alors, donc, j'ai refermé brutalement l'écoutille sur le crâne du tankiste. Oui. Je rouvre l'écoutille, je prends un Toblerone et je le fais tomber à la verticale. Et ça, normalement, les mecs, ils voient un truc qui tombe, un objet qui tombe en faisant plonk, tu vois, forcément. C'est la panique. Bah oui, c'est la panique à bord. Les mecs pensent que c'est une grenade, tu vois. Alors, on va dire que vas-y, fais ça, lance les dés, dis-moi combien tu fais, je sais même pas. Dis-moi combien tu fais. Je fais 16. J'adore cette boîte à dés aujourd'hui. Hein. Alors, effectivement, la panique dans le tank et le tank commence à aller un peu dans tous les sens. Voilà. Voilà. Et là, j'envoie le soldat irakien derrière avec son arme et évidemment, personne ne bouge, sinon on tire. Voilà. Donc, on braque le chauffeur du tank. Donc, ok, tu rentres dans le tank, c'est ça ? Ben oui. Ben, en fait, oui, une fois que j'ai jeté le Toblerone grenade, du coup, les mecs se sont tous planqués. Donc, le mec, le pilote du tank, il a même lâché les commandes puisqu'on a commencé D'accord. à partir en D'accord, tu rentres dans le tank et tu braques la personne. On a fait ça. Ok, on est bien. Je reviens. Et là, Sibyl était en train de sauter. Attends, vas-y, attendez, Sibyl. Attends, parce que... C'est oui. quoi, vous voulez changer le... Oui, alors attends, est-ce que dans la salle est éclairée? La salle est éclairée par la lanterne et vous voyez le début de la pagode. Vous voyez pas est-ce que sur les murs, donc la salle c'est un carré, est-ce que sur les murs il y a des trucs où on pourrait accrocher une corde justement au niveau de la pagode ? Sur les murs. Je croyais qu'elle était en train de sauter là. Non, elle allait sauter, je l'ai retenue. Attendez. non, sur les murs, il n'y a rien du tout pour accrocher une corde. Contre, sur la pagode a des toits pointus. Ouais, donc tu peux éventuellement accrocher quelque chose. Dommage. Ah. On pourrait. Ouais, mais le problème, c'est que la pagode, elle peut tomber aussi. Ouais. Bon, bah, Sibyl. Si je m'accroche à la pagode, je peux tomber aussi. Hein, donc, on vous attache, Sibyl. Attends, allez-y. La pagode elle est posée vraiment sur un truc ou elle est en mode équilibre ou elle est solide Elle est construite sur un pilier de terre, de roche. Donc, il faut faire attention, il faut quelqu'un d'agile. Ouais, moi, je ne suis pas si agile que ça, je crois. Hein. Et si, si elle a des toits pointus, est-ce qu'on pourrait pas jeter la corde Alors, Blue Sky se propose, si vous voulez. Ah ouais ? Ouais, mais après, le problème, c'est que dedans, il saura pas quoi faire. On peut lui demander. Bon, on demande à Blue Sky. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui, on lui demande de sauter, et comme ça, il nous fait un pont de corde. D'accord. Alors, lance les dés pour lui. Là, il va sauter, il s'accroche quand même avec la corde, au cas où il tomberait. Oui, fais au moins 12. C'est combien ? J'ai fait 3. Malheureusement, il saute. Adieu, Blue Sky. Il se prend le menton là au bout de la pagode. Il s'évanouit et il tombe et il s'empale sur une stalagmite, malheureusement. Et il meurt sur le coup, c'est affreux. Et Madame Oborov se met à pleurer. Bon, c'est horrible. Ah bah oui, c'est... Bon. Je laisse réfléchir. Et pendant ce temps, Patrick Pintard s'est rendu maître du tank. Tu seras maître du tank pendant ce tour. Le maître du tank, c'est ça. Toi, que fais-tu, Hubert ? Est-ce que tu tires encore sur l'autre tank ? Évidemment, je continue à tirer. Puis en plus, avec Patrick, il va se mettre à tirer sur l'autre. Bah oui, là, je peux t'aider. Là. Lance CD, fais au moins 12. Ça, c'est fou, hein. J'ai beau gagner en précision, le CD est toujours aussi dur. Hein. Oh, j'ai fait 1.
Oh putain. Ça fait 1. Alors, malheureusement, tu as chargé l'obus à l'envers ou je sais pas quoi. Et c'est bloqué, il veut plus tirer. Voilà. Ah là 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 là. Ok, bah là, bah du coup. Alors toi, tu peux rien faire. Par contre, tu entends quelque chose, Patrick, juste toi. Ouais. Tu entends le bruit haché des pales d'un hélicoptère. Et également, il y a l'autre tank qui va tirer sur le tank de Hubert. Donc, est-ce que tu peux, Daz, pour ce tank, lancer les dés et faire au moins 12, s'il te plaît? Il y a un engin rotatif. Attends, pour ce tank, je comprends plus. Là. Qui tire quoi, là? Attends, je... Lance les dés, s'il te plaît. Dis-moi. Okay, dis-moi comment... Je lance les dés. Pour le tank chinois. Ah, donc, c'est l'ennemi. Donc, il faut que je fasse un très mauvais score. Exactement. T'as fait combien? 20? 20, mais qu'est-ce que c'est que ces dés là? Mais non, 20, c'est pas vrai. 20. Tu fais 20? C'est incroyable. Vas-y. Un peu plus, file du tank chinois et percute dans sa plus grosse faiblesse le tank irakien. Et le pauvre Hubert est éjecté du tank ainsi que le pauvre Tiger Jack qui meurt sur le coup. Hubert, tu perds 3 points de vie. Alors, je sais, c'est pas beaucoup. Mais c'est des points de vie qu'on récupère jamais dans le jeu, donc c'est quand même très gros. Et tu es tu rampes à l'extérieur et attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, c'est ça le problème de lancer les dés pour les méchants là. Je reviens de l'autre côté, je reviens du côté de Sybille et Philippe, que faites-vous? Rip Tiger Jack, bon, rip. Il faut qu'on arrive à créer, en fait il faut pas qu'on se jette, il faut qu'on accroche la corde à la pagode et qu'on se tracte dessus en fait, ce sera plus safe. Ouais, mais si, j'espère que le truc il va pas péter quoi, si c'est du bois, pagode, si c'est du vieux. Ouais, le problème, c'est un plan qui a une chance assez correcte de réussir, donc ce qui marchera si vous faites au moins un 8. Ok, bon bah je fais ça. Vas-y. Alors. Sybille lance la corde, l'accroche c'est bon. À la pagode, se jette dans le vide et arrive à s'accrocher et elle est de l'autre côté. Ouf. Est-ce que Philippe, tu veux la rejoindre? Je sécurise la corde de l'autre côté. Ouais. Non, non. 2 sur la pagode, ça me paraît trop lourd. D'accord. Donc, en tout cas, Madame Obroff te rejoint parce qu'elle est intéressée par ce... Est-ce que tu peux lancer l'été et faire au moins 8 pour elle également? Non. Non. Combien? Mais c'est pas vrai. Madame Obroff essaie de venir et là, la corde tombe. Mais je veux plus, et je veux plus lancer l'été aussi dans le vide. Et elle est morte également. Mais non, mais non, vrai, pas elle. Elle va trouver une solution pour revenir. Mais cela dit, je te dis ce qu'il y a actuellement. Et la pagode est en métal, en fait. Elle est fermée, sauf le toit qui est en bois. Elle est fermée par une porte à mécanisme ancien. Et c'est une carte ancienne de la Chine où on peut pousser les 5 montagnes sacrées ou les fleuves jaunes, et ainsi que la ville de Luoyang. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Et pendant ce temps, je reviens sur Patrick Pintard. Patrick Pintard, que fais-tu? Tu es dans ce tank dont tu as pris contrôle avec, pas Redrum, mais... Si Redrum est venu avec toi. Redrum, voilà. Ouais. Du coup, je dis à Redrum de tourner la tourelle vers le tank chinois. Est-ce que tu veux conduire le tank ou est-ce que tu veux que ce soit toi qui tire? Allez, vas-y, je tire. Tu tires. Alors, je rappelle qu'il y a un hélicoptère quelque part. Il y a aussi le tank. Oui, mais moi, je rappelle que j'ai un tank chinois. Donc, de toute façon, voilà. Donc, tu vises le tank qui vient de tirer sur celui de Hubert, c'est ça? Exactement. Et on pourra toujours faire passer ça pour une fausse manip après. Tu mets un obus, tu tires, tu vises, tu t'appuies sur la gâchette, tu lances les dés et fais au moins 12. 7. Putain. Oh, mais 7. Putain. File au-dessus des cieux, tombe sur Tsaparang, fait écrouler une tour. Vous entendez un tremblement de terre, vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la. C'est la guerre. Voilà. Et l'hélicoptère se rapproche en tout cas de sa part. Et toi, Hubert, qui reprend connaissance, qui te lève ensanglanté à côté de tous ces morts, tu es à l'entrée de sa parangue et tu vois un hélicoptère avec une mitrailleuse qui s'approche et l'autre tank peut-être qui est dirigé par Patrick Pintard. Que fais-tu, Hubert? Qu'est-ce que je fais du coup? Alors, je regarde, Tiger Jack est vraiment mort? Oui, Tiger Jack, il est en petits morceaux même. Oh, mais oh merde. C'est horrible, c'était nos amis. Ah oui. Ça fait comme dans les films d'aventure, en fait. Tous les sept qui meurent dans les temples.
Alors, Alors, je me mets en sécurité. Je suis pas, j'ai 3 points de vie, mais je suis complètement, safe. Hein, oui. Bah, pour l'instant, t'es pas en sécurité. T'es devant un hélicoptère de combat et deux tanks. Dis-moi ce que tu fais. Bah, je vais vers l'hélicoptère de combat, évidemment. Genre à pied ? Comment ? À pied ? Il est vraiment loin ? Ah bah, ils volent dans le ciel. Ils volent dans le ciel. Ah, ils volent dans le ciel. Je crois qu'ils étaient au sol. Non, non. Alors, mon tank est hors d'état de nuire ? Ah oui, lui aussi, il est en petit morceau. Tu ne fais rien, Trouve une mitrailleuse lourde, il y a toujours une mitrailleuse lourde sur les tanks. Ouais, c'est vrai que sur la toile d'un tank, il y a toujours une mitrailleuse lourde. Calibre 50, ça rigole pas. Allez, on va dire que... Je la prends et je l'arrache du tank. On va dire que t'as une chance sur 3 de trouver une toile. Non, attendez, lance les dés et tous les tanks ont des toiles mitrailleuses. On va voir si elle marche encore. Lance les dés et fait entre 1 et 7. Allez. Allez, Hubert, allez. Allez. Allez, c'est la fin de la Shkoumoun. C'est la fin de la Shkoumoun. Tu as fait 7 ? Ah non, c'est Daz qui a fait 7. Oh, 6, c'est pas possible. 6. Non, mais c'est pas possible. Effectivement, une mitrailleuse lourde en bon état. Ah, mais c'est bon, tu arraches tel Rambo. Il fallait que je fasse combien ? Entre 1 et 7, c'est bon. Ah oui, entre 1 et 7, pardon. Ah oui, c'est ça. Tu trouves une mitrailleuse en parfait état de marche. Je suis fatigué, je crois que j'avais fait le motif. Ouais, moi aussi, je fatigue un peu. Mais là, donc, tu trouves une mitrailleuse en parfait état de marche, tu l'arraches, tel Rambo, évidemment. Et tu as une mitrailleuse lourde pour toi. Je crois que c'est au tour de Sibyl. Rambo français, hein, donc Rambo. Rambo. Sibyl, voilà. Sibyl, dis-moi ce que tu fais. Ah non, mais redis-moi là ce qu'il y avait. En fait, il y a des montagnes, il y a les rivières. Ouais, les 5 montagnes sacrées, les fleuves jaunes et le fleuve bleu, ainsi que la ville de Liuyang, sont des pièces mobiles que tu peux pousser. Je vais pousser le montagne. Sibyl, qui a bien retenu sa leçon, pousse le montagne dont elle a rêvé, et effectivement, la porte s'ouvre. Ah, bien joué! L'histoire raconte que l'Empire tibétain et le royaume de Jugé n'avaient pas de bonnes relations avec les tribus turques des Chatuos, qui formèrent par la suite les Tang. Mais Sibyl découvre ici une salle intacte qui dispose de statues latérales et des inscriptions qui parlent d'une alliance entre les Chatuos et le royaume de Jugé. Donc c'est une découverte immense qui peut transformer l'histoire et surtout qui montre qu'à l'époque, il y avait une paix entre l'Empire tibétain et l'Empire chinois. Je te laisse retenir ça. Peut-être ça pourra changer le futur de la géopolitique plus tard, mais aussi ça donne une excellente preuve, si Madame Obromov était encore vivante, les Irakiens pourraient avoir une revendication sur les terres du Tibet. Mais au milieu de la pièce se trouve un sarcophage tibétain somptueux avec l'inscription suivante que tu lis avec un petit peu de terreur. Profanateur, prends garde à toi, car le gardien du sceau ne mourra jamais et veillera pour toujours sur le mandat du ciel. Point d'exclamation. Que fais-tu, Sibyl ? On avait des points d'exclamation des tibétains à l'époque. Mais c'est quoi ça ? On avait 3. Tu ouvres le sarcophage à la cool. Oui, à la cool. Non, mais ça ressemble à quoi ? C'est quoi exactement ça ? Le mandat du ciel. Grand sarcophage de bois. Grand sarcophage, donc c'est quelqu'un qui est dedans. Ah, dedans, il y a quelqu'un, c'est sûr. D'accord. Alors, je regarde au plafond, il y a quoi ? En haut de la salle, il y a quoi au plafond ? Il y a quoi, ouais ? Regarde attentivement le plafond. Il y a des jolies poutres dorées et laquées de rouge. Okay. D'accord. Alors, il y a autre chose que ce sarcophage ? Il y a des trucs sur les murs, peut-être ? Il y a des, comme je l'ai dit, il y a des petites statues latérales qui ont des inscriptions qui parlent d'une alliance entre les Chatuos et le royaume de Jugé. D'accord. Et ça, les statuettes, elles, on ne peut pas les décrocher ? Tu peux en prendre une si tu veux. Ouais, mais c'est juste pour avoir l'histoire de la preuve là, de la paix entre la Chine et le Tibet. Parce que comment je peux avoir cette preuve-là si c'est pas... Tu pourrais prendre une photo, mais tu n'as pas d'appareil photo. Ouais. Mm-hmm. D'accord, et le sarcophage, donc je l'observe bien. Il y a un mécanisme, il y a un truc qui me semble bizarre. Lance les dés et dis-moi comment tu fais. On l'ouvre pas, attention. Hein. 15, tu ne vois rien de particulier. Je pense que, par contre, il a l'air d'être bien scellé, donc il va falloir peut-être le casser en l'ouvrant. Voilà. Ce qui, effectivement, brise ton cœur d'archéologue. Aïe. Il n'y a pas un petit tiroir ou un truc dans le pied du sarcophage, sans que je sois obligé de l'ouvrir. Tu as bien regardé avec ton 15 et tu n'as rien trouvé. Alors, moi, pendant qu'elle observe le sarcophage, je regarde un petit peu, j'observe attentivement tous les murs de la salle, le sol aussi notamment, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui me paraît louche. Il n'y a rien qui te paraît louche là où tu es.
J'aime pas ça. Oh là là, mais je sais pas. On peut relire l'inscription. Ouais. Profanateur, virgule, prends garde à toi, virgule, car le gardien du sceau ne mourra jamais et veillera pour toujours sur le mandat du ciel, point d'exclamation. J'aime pas ça. Il va falloir prendre une décision, hein. Bah, on est là, je peux pas laisser le sarcophage comme ça, de toute façon. Tu veux pas si envoyer un Irakien encore en éclairant? Non, on en a plus. On a plus au sport. Oui, si, si, il y en a, y a encore Red Rome. Il y a Red Rome. Bon, je comprends, bah, il va rejoindre ses frères. Le Red Rome, il était dans mon tank, hein, je rappelle. Oui, il est dans le tank, mais vous voulez éventuellement par radio, c'est ça? Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, par un complexe jeu de radio et de, ah oui, là, de Tokiboki, vous demandez à Red Rome de venir vous rejoindre. Pendant ce temps-là, on a Rambo au sol avec une mitrailleuse lourde et Patrick Pintard dans un tank chinois. Et au-dessus, vous avez en face de vous un tank chinois et un hélicoptère militaire. Vous avez l'initiative. Que faites-vous? Patrick, est-ce que tu veux pas t'occuper du tank? Parce qu'en fait, il s'attend pas à être pris, à être flanqué, à être tanké même. Oui, si, je revise le tank. Vise le tank. Avec un bonus, évidemment, pour l'effet de surprise. Oui, je demande à mon camarade. Oui. Qui a mis le camarade, il est plus là, il est en train de partir parce qu'il va rejoindre Sybille Cancel. Mais comment il se téléporte, lui, hors du tank, là? Il se téléporte pas, il a entendu l'appel et essayé, il est parti. Et le tank, alors, mon tank est à l'arrêt ou il roule? Exactement, il est à l'arrêt, mais ça veut pas dire que tu peux pas tirer. Ok. Non, parce que j'aurais bien voulu qu'il prenne la 12-7 sur le toit pour tirer sur l'hélicoptère, lui. Mais bon, ok. Donc, dans un premier temps, je vais tirer un obus sur le tank adverse. Et je tire bien dans l'angle arrière-gauche du tank chinois, car c'est le point faible de tous les blindages des tanks des T depuis le T-50. D'accord, lance les dés, fais au moins 12. J'adore ce jeu. Alors, c'est parti. Heureusement qu'il y avait le tuto et le manuel du tank pour Patrick. Il y a la notice. On n'en a pas parlé. Il y avait un guide de démarrage rapide. Et je fais 8. 8, ça file au-dessus. Cette fois-ci, ça part dans les étoiles, ça tuera peut-être une chèvre de passage. Et toi, Rimbaud, que fais-tu? Moi, écoute, je crois que je pète un peu un câble. Et je hurle pour la France. Non, et là, vide. Tu fais une mission suicide, hein. Je vide mon chargeur sur l'hélicoptère qui nous menace, quoi. Mais allez, je vide en posant un genou à terre, histoire d'être plus stable et d'avoir des points de bonus à mon jet de dés, bien sûr. Alors, si tu fais au moins 12, tu touches l'hélicoptère, et si tu fais plus, tu lui fais de plus en plus mal. Vas-y. J'en veux plus de ce 12, j'y arrive jamais. Attendez, alors, il faut que je fasse au moins 12. Hein. Au moins 12. Oui. Et je lui ai dit, c'est pas possible, ce 12, il est... Non, mais c'est quoi ce... C'est mon alors, plafond d'air, hurlant, ce soir. En hurlant, tu tires et malheureusement, ça passe à côté de l'hélicoptère. L'hélicoptère va peut-être pas te louper, c'est un peu plus compliqué pour lui de tirer. Est-ce que Patrick Pintard peut lancer les dés et faire lui au moins 13? Mais je fais quoi, là, moi? Tu lances pour l'hélico. L'hélicoptère chinois va viser... Non, mais moi, je veux pas viser pour les méchants. Bon, bah, quelqu'un peut le faire. Fais-le. Bah oui, attends, allez, je vais pas tuer mes amis. Quoi. Je lance les dés. C'est horrible, la responsabilité, quoi. Déjà, j'ai fait 20 tout à l'heure. Donc, c'est quoi? C'est 1 des 20, c'est ça? Ouais. 1 des 20, tu vas faire plus de 19. Et j'ai fait 2. Ça va, il rate. J'ai fait 2. Je rate complètement. Tirer sur son pote. Tu enrayes ton arme. Je tire sur le tank en bas qui se met à prendre feu et les deux soldats chinois se sortent du tank. Ah, magnifique! Parfait. Oh, c'est cool. Alors là, génial. Alors super. Ok. Super. Vas-y, reviens sur moi. Pendant ce temps, Red Rome arrive tout essoufflé. Donc il arrive devant Philippe Lannicroche. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont morts, c'est pas possible. Non, ils ont échoué dans leur quête, malheureusement. Nous avons la preuve. Enfin, vous pourrez être l'homme qui réunira l'Irak et le Tibet si seulement vous réussissez à ouvrir. Nous, on n'y arrive pas. On a essayé, mais on n'a pas la force. Alors, il est à la fois galvanisé par tes paroles, mais il doute un peu. Il ne sait pas pourquoi. Mais il faut lancer les dés. Bon, tu vois, je vais lancer les dés pour lui. Va-t-il réussir à pas sauter par-dessus le vide? Il y a la corde, hein, quand même. Hein. Il va pas sauter. Il y a la corde. Oh, c'est un militaire aussi, hein, ça va. Oui, on est jamais à la Bonus, hein. Et il est de l'autre côté. Il arrive de l'autre côté. Il dit
Et il arrive, il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez la preuve ? Là-dedans, il y a ce qu'on est venu chercher, c'est ça ? Exactement, il faudrait que vous nous aidiez à ouvrir le sarcophage. Ouais. J'ai pas pourquoi vous n'arrivez pas à l'ouvrir, madame ? On n'arrive pas à l'ouvrir, on a besoin de quelqu'un de fort, d'un militaire notamment. Vous m'avez tépé mon militaire pour ça, putain, je suis deg. Il dit j'espère que le président Hussein me récompensera pour tous les risques que j'ai pris. On lui fera passer le message. Il tire sur le coffre. Il l'ouvre. Je m'écarte un peu. Hein. On se met un peu derrière. Et Philippe Maycroche recule d'un pas. Et malheureusement, c'est la fin de la session pour aujourd'hui. Oh ah, so close. Mais et voilà. Mais non, Fibre, il reste 2 minutes de séance. Il faut qu'on se dise au revoir quand même. Mais il est peut-être là, il est certainement là. Il est certainement là. Voilà. Donc, on verra bien. Alors, est-ce qu'il y a le sceau de l'héritage du royaume que vous cherchez depuis 6 ou 8 épisodes ben, écoutez, on le saura pour la prochaine fois. Hein. Et également, est-ce que Patrick Pintard ou John Rambeau va se sortir de la guerre, va survivre à la guerre ? On le verra aussi. Ça, on verra. Alors, je ne sais pas si ce sera dans 15 jours ou d'une autre façon. En tout cas, semaine prochaine, on se retrouve et ce sera à nouveau Game of Thrones Magic. Donc, où voici Claude Rodium est en train de soulever la babine d'un vampire avec une potion d'Ingramus à la main. Donc, ah oui, là encore, vrai. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Que d'aventure, hein, mais donc. Et c'est bien parce que dans une semaine, je dirais souvenez-vous, et là, il y a l'âme qui est en train de se battre à l'hélicoptère. Bon, bref. Donc, Vera, j'espère que ça vous a plu. C'était sympa la séquence rêve. C'était Hollywoodien. Rythme infernal. C'est quoi ce nombre de morts aussi ? Ça a été une hécatombe là. Et le pauvre Marty 7. Franchement, sa maison, elle était loin, quoi. T'es un peu abusé là. Moi, si on survit à ça, en partant, je fais un don au village de Marty 7. On fait une école. On fait une école. On fait une école. Jacques Giscard d'Estaing. Et on fera une rue Marty 7 à Paris. Une bibliothèque Jacques Lang. Une bibliothèque Jacques Lang au village. C'est la rue Marty 7 à Paris, ouais, c'est vrai. La place Marty 7. Voyez, pour tout ça, il fallait bien 2 minutes, voyez. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec moi ce soir. On se retrouve semaine prochaine sur le stream. Ce sera donc Game of Thrones Magic. Toujours encore 2 heures de jeu tous ensemble, dans la bonne humeur. Et puis, après, contrairement à ce qui se passait la semaine dernière, ce sera Game of Thrones toutes les semaines jusqu'à fin juin. Voilà. Cool. Merci. Et je vous dis au revoir. Merci, bravo tout le monde. Merci pour vos cœurs. Merci, merci le chat. Merci le chat.